Bon, qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin là Yo euh, FR3us, <laughs> t'es gars, les pseudo, <laughs> c'est Trop dur à dire. Est-ce qu'on est, qu est riche ou pas Est-ce qu'on est, qu est riche En tout cas, moi, non, ça une... s'envole de fou. J'ai une pattern qui euh, qui revient. On va la voir un petit peu. Là actuellement, comme vous voyez, on rebondit exactement parfaitement sur la cassure euh, autour de 90 000. Donc on est en train de faire un support sur 90 000 pour l'instant. Est-ce qu'on va venir la casser en ligne droite, hop, tout the moon Peut-être. Euh, surtout qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va avoir une correction de 30%. Ah ouais, de fou. Moi je vois tout le monde dire oui, j'attends la correction, ça va corriger, euh, un truc de ouf. Euh. C'est ça, mais sauf que la correction, les gars, on l'a eu de mars à, à octobre. Hein. Donc il euh, y avait jusqu'à à... de mars à octobre pour se positionner. Maintenant, le marché, il est là pour venir frustrer les gens. Ouais. Surtout qu'en général, dans ce genre de période, euh, ça fait accélération ou rien du tout. Il n'y a pas de. Je t'attends dans la gare et je reviens tranquillement. Euh... Ça, Surtout que là, on, a, on est rentré dans la, dans la phase de media attention. Ouais. Je vais vous montrer ça de suite. Euh, phase de cycle, de marché. Il oh, y a trop de trucs intéressants. Media attention. Hop. Si je me mets dans les images, on devrait le trouver. Hop, voilà. Est-ce qu'on voit bien? Faut de ma gueule. Euh, hop là. Voilà. Comme vous voyez, on est ici la phase de media attention. Pourquoi Parce que euh, depuis l'élection de Trump, ben, on en entend parler de partout. France 2 on en a parlé pendant cinq minutes. Euh, TF1 on en a parlé. Euh, Bloomberg, ils ont mis des articles en première page. Euh, ça en parle aussi aux États-Unis beaucoup. Euh, Trump, il est hyper euh, bullish sur la crypto. Euh, il va clairement euh, faire exploser le marché. Il veut faire une réserve stratégique en Bitcoin. Donc ça commence à parler. Media Attention. La Chine, ils ont euh, enfin autorisé les Chinois à détenir du Bitcoin. Le Maroc sont en train de parler de plus interdire Bitcoin, alors que ça fait depuis 2017 qu'ils l'ont interdit. Donc là, on est ici. Donc c'est normal qu'on ait l'attention des médias et que je ne sais pas. Euh, euh, ton pote qui s'était int intéressé aux crypto en 2021 il commence à revenir te parler en te disant oh, la crypto ça rentre <laughs> ça c'est des gens qui sont déjà entre guillemets un peu initiés bon ça reste des gens qui, euh, qui vont faux mots et sûrement perdre de l'argent mais c'est normal de les voir revenir tant qu'il n'y aura pas euh, je sais pas euh, ta grand-mère ou vraiment une personne euh, qui, euh, qui est vraiment euh, négative par rapport à la crypto qui veut rentrer on sera pas ah, en tout cas, à mon sens, sur un signe de top. Donc maintenant, pour moi, la meilleure chose que le marché puisse faire, c'est de venir continuer à monter en ligne droite pour venir frustrer les gens. Et une fois que les gens seront bien frustrés, et eh bien là, il viendra corriger et les frustrer encore plus. Surtout quand ils auront faux comme des cons à ce niveau-là. Ouais, c'est toujours pareil, c'est que le marché il va pousser, pousser, pousser pour essayer de frustrer les gens au max. Et quand vous en aurez suffisamment mort, bon, les gens mettront des les plus grosses sommes. Après, là, ceux qui sont là, et je pense que c'est déjà des personnes euh, qui sont un peu avancées. Euh, N'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y qui sont débutants. De toute façon, il y aura des débutants aussi sur la, sur la rediff dans tous les cas. Mais ouais, en fait, souvent, c'est un, un jeu d'implication. Et, et nous, on a quand même suffisamment d'implication et d'expérience sur le marché pour vous dire que en vrai, le risk-reward là aujourd'hui de s'impliquer correctement en termes de finances et s'y si voulait correctement, après c'est toujours pareil parce que se positionner correctement sur le marché euh, ce qui est important aussi c'est comment tu le fais parce que c'est vrai que si tu mets tout d'un coup et que tu rajoutes 20k et que c'est toutes tes économies d'une vie et que tu mets tout d'un coup du jour au lendemain euh, en mode freestyle, en mode je débute mais c'est pas grave j'y vais, ouais c'est sûr que c'est hyper border quoi ouais c'est clair c'est toujours comme ça, quand tu vas tout seul tu sais pas où tu vas, tu mets n'importe où et le marché il va, il, va, il va sévir direct là je vous montre cette période là c'est euh, entre si jamais, je fais juste une petite aparté. Euh, ouais. On va faire un live spécial Alcoin. Donc, on va parler de plein d'Alcoin différents, plein d'opportunités crypto, etc. Dans le, dans le live. Si jamais il y en a qui viennent de nous rejoindre à l'instant T. Là, on fait juste un petit tour d'horizon sur Bitcoin pour comprendre un petit peu le, le, le timing et pourquoi on est aussi euh, focus sur les Alcoins. Parce que c'est important de comprendre d'où ça part et pourquoi, effectivement, il y a beaucoup d'attentes sur les Alcoins pour comprendre concrètement où vous en êtes. Et après, on pourra effectivement, dans quelques minutes après, euh, vraiment focus sur, euh, sur pas mal d'Alcoins et comment, effectivement, euh, Gérer tout ça, quoi. C'est vrai qu'on a commencé direct aujourd'hui, pas d'intro, pas le temps de niaiser. Ouais, j'en ai pas fait, mais c'est pas très grave. Non, pas grave. Du coup, là, ce que je vais vous montrer, c'était ici. Donc déjà cette zone-là. Là, on était sous l'atterrage. On a galéré à la passer, et ça reviendrait. Il bon, faudrait que je partage en deux écrans comme ça. À 20 000 dollars et le ce qui est le précédent plus haut de 2017, si jamais c'était 20 000 dollars. Et là, c'était quand on avait cassé du coup le précédent plus haut. Donc, c'est un peu l'équivalence avec euh, aujourd'hui quand on a passé 70 000 sur, euh, sur Bitcoin. C'est ça. Attends, je me pose. Et pas à mettre en gros parce que tu es vachement pixelisé, euh, Mr. Kaneki. Pourquoi ah, Parce que je, je pense que je ne suis pas à la même qualité que toi. Bah, je vais laisser en gros alors. Mais c'est pas celui-là que je voulais. C était, c était... Après, on voit quand tu as un graphe, mais tu vois celui de gauche, là, on voyait. Ouais, c'est de... vrai que dès que c'est un multi… Bon du coup, juste, je vais juste expliquer. Il faudra le voir sur votre, sur, votre, sur votre graphique, par exemple. Ici, on était sous la TH et on a galéré à le casser. C'est un peu la période qu'on a eue euh, fin, euh, fin octobre, avant les élections de Trump. Ensuite, on a pété et on a commencé à galérer aux, autour des 90 000. Ça ressemble extrêmement à cette zone-là. Et à partir de là, on a parti. Et là, on a eu vraiment la dernière grosse grosse vraiment hausse avant la saison, où là, ça a vraiment commencé. Et moi, on est entre les 42 et, ouais. et l'explosion qu'on a eu là, tu vois Pour moi, on est entre les... les 30 000 et les 40 000, je pense. Ouais, c'est ça Parce... ouais, ouais, Et je pense qu'on va monter… Alors là, je vais sortir ma boule de cristal, donc euh, ne prenez pas les choses comme acquis. Je vais sûrement me tromper, mais je pense qu'on va pousser jusqu'aux 110 000 et après, on va avoir un rattracement de 30 sur BTC. Moi, je me demandais justement si le, si le Sell the News allait pas être euh, l'institution de Trump… C'était quoi la date? Mi-janvier, un truc comme ça? 20 janvier, mais ça se fera un mois avant. Mais attends, je vais en parler juste après. Ok. C'est euh, là, si tu regardes bien, 2020, on continue à monter. On casse toutes les résistances. Ouais, je peux reprendre le graphe si tu veux. Peut-être plus. Si tu veux, vas-y. Et je là, là à partir bien. du 8 janvier, donc 10 jours avant l'institution de Biden, correction sur BTC. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à ce moment-là, eh bien. Il n'y a que BTC qui a beaucoup ramassé. Les ils ont un peu ramassé, mais ils ont rebondi parfaitement. Ouais, les altcoins étaient ultra résistantes et au contraire, c'est là qu'on a commencé à claquer la saison pour le coup. Avant que tu partages le graphe, je vais passer sur Ethereum et je vais montrer cette période-là. Euh, on est où là 2023. Merde. Euh, hop. Euh... Elle est où Tac-tac. C'est par ici. Là, encore un peu avant. Voilà. Ici, donc vous regardez là, à ce moment-là, BTC, il fait une correction de 30%. Qu'est-ce qu'il fait, Ethereum Il corrige rapidement. On va voir combien. Ok, il fait aussi 30%. Mais tu vois que sur euh, la correction, c'est très rapide. Hop, on corrige trois jours et hop, on repart. Pourquoi en fait, c'est surtout Ethereum VS BTC quoi euh, Là, c'était... Là, je... ouais. Mais après, en général, bon, quand Ethereum il repart, tu sais qu'en général, les Alcoins partent aussi un peu avec. Ouais. Ou alors on rentre dans la saison de Ethereum comme dans la fontaine des liquidités Donc pour conclure là-dessus, moi je reste assez positif sur le fait que peut-être qu'on va partir en ligne droite maintenant, peut-être qu'on va continuer à, à osciller comme ça. Je sais pas vraiment. Ouais, en fait pour moi, enfin c'est que pour moi en fait c'est là-dessus c'est plus le time en fait de se préoccuper de. Est-ce que BTC va corriger un peu ou pas, etc. Genre les gars, on sait qu'en termes de cyclicité, ça va abonder sur les altcoins. Il faut toujours être prêt avec une grosse correction au cas où et du coup pas faire n'importe quoi et donc privilégier forcément un DCA globalement sur les alt. Mais clairement, en fait, c'est le moment où il faut penser vraiment rotation de BTC vers le reste des actifs. On a à dire ce qu'on veut. Il faut juste prévoir au cas où si vraiment il y a une grosse correction, qu'il y a des gros dégâts. Mais en vrai, c'est plus le timing de se dire oui, alors peut-être ça va corriger 10-20% de BTC de machin. Prévoyez large, prévoyez des s'il faut pour racheter sur un dip important, etc. Prenez des profits dès que vous alterez, et commence à perf aussi un petit peu pour avoir de l'équité de côté. Et si vous faites ça, en vrai, tout va bien se passer. Il faut juste être actif et pas parler chinois, quoi. C'est ça. Ou alors juste t'es positionné, tu surfes. Tu surfes tranquillement ouais. Et puis on monte et eh bien, forcément, plus tu prends tes profits. Hum. Donc voilà, pour moi, le scénario, ça va être on va continuer à monter. Et à un moment donné, 110. 120, Moi si ouais, je pense qu'on va continuer monter, ouais. Il y a de la force, je ne sais pas. Euh, on va avoir une correction sur BTC qui va calmer les gens qui rentrent sur BTC, mais par contre ça va continuer à rentrer dans, dans les altcoins et on devrait avoir une belle, une belle halle saison. Ouais, En parlant d'alcoins, on va pouvoir check un peu. Vas-y, je te laisse reprendre le graphe du coup. Euh, J'ai mon graphe qui est OK, 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 OK. Euh, Là-bas, tous les tout l'écran, ça, je le switch. Je suis sur les narratives, on va pouvoir en parler. On, a fait, ça on va pouvoir en parler. Ça fait longtemps, ça Ouais. Ça fait longtemps. Mais ouais, ouais. Euh, Ethereum, en fait, pareil, la diversation, euh, pour moi, c'est check ce ratio-là aussi. Ceux qui débutent, il euh, y a pas mal d'infos, mais encore une fois, vous avez tout dans la formation gratuite. Vous avez le QR code qui est juste au-dessus de nous, en hein, haut à droite de l'écran. Vous avez une formation gratuite sur toutes les bases. Donc, si jamais vous ne comprenez pas tout, j'ai envie de fortement, pour le coup, aller check cette formation gratuite. Vous avez ces cinq bases-là, pour qui sont incluses, Vous avez à peine 1h20 à peu près de, de vidéos. Il y a énormément de choses. Donc, vous invite vraiment à reprendre aussi les différents éléments que vous aurez dans cette base de formation gratuite. Mais au moins, on permet vraiment d'avancer. Pour ceux qui ont un de base, et si vous n'avez pas les bases et que vous galérez sur ce live, allez voir directement cette fichue formation gratuite. Parce que sinon, vous allez galérer à du temps mais vous allez juste couper votre run. Donc, faites-le le plus tôt possible. D'ailleurs, euh, le dernier live qu'on avait fait, on n'a pas forcément mis la rediff. J'avais pas forcément mis la rediff. Mais j'avais bien insisté sur le fait de, de prendre la formation gratuite. Donc, allez-y, profitez-en à fond. Parce qu'effectivement, il y a la première relance sur, euh, sur Ethereum et s'il y a bien un truc, j'ai fait du coup un post Insta qui a bien buzz d'ailleurs sur, euh, sur ça, mais si vous avez bien un truc, à mon sens, un indicateur par excellence, tu me diras Kaneki si es euh, d'accord avec ça, mais c'est bien la dominance BTC. Donc sur TradingView, si jamais vous avez juste à aller sur TradingView, c'est gratuit et dans vos petites listes, là, vous faites un plus en haut à droite et vous tapez BTC.D et vous l'avez directement ici, d'accord Donc si ça descend, ça veut dire que ça part un max dans les altcoins. Et donc là, il faudra se méfier si ça descend. Mais en fait, on attend ce moment, où justement, ça descend et là, on commence à, on commence à avoir des espoirs un peu. Bah, si ça fait ça, bah, c'est là qu'on va être méga riche avec toutes les autres crypto. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, c'est pas parce que la dominance descend que Bitcoin va arrêter de monter. Ça va, ça va, ouais, ça va ouais, de fou. Bah, ça, ça, après ça, c'est encore plus banco. C'est à dire que si BTC, il, il, il monte alors que la dominance, elle descend, ça veut dire qu'on va gagner encore plus sur les altcoins. Quoi. C'est ça. Et dans tous les cas, BTC va continuer à monter parce que le marché monte aussi euh, de manière générale. Mais ouais. ça veut dire que, comme tu disais, les liquidités, elles se déversent de plus en plus dans les altcoins. Et surtout, il y a plus de liquidités qui va dans les altcoins qu'il y en a qui va dans BTC. Ouais. Et c'est là, et c'est ça ce qu'on appelle une lalsaison saison au final. C'est ça. C'est la saison où tout le reste des cryptos, hors que Bitcoin, elles perdent pas mort. Et vous voyez les petites bougies qu'on a ici là Regardez déjà, là je suis juste en journalier. Hein. On regarde déjà la semaine, il euh, y avait quand même des, des BLPF, de rien, des XLM, des Sand, etc. Ce qu'on disait, c'est que ça, c'est un peu le retour des, des dino-coins, un peu des anciens coins. En plus, on a les news par rapport à XRP. Euh, on a pas mal de trucs qui ont pump. Évidemment, c'est là qui sont sur XRP. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de trucs en mode Oui, tu penses quoi de XRP Je suis sur XRP, j'ai pris position sur XRP, etc. Euh, par rapport à XRP, on vous le dit direct. En fait, c'est une question de taille de marché. C'est comme Dogecoin. Vous êtes bien gentil avec Dogecoin. Oui, ça pourra continuer de pump. Mais dans tous les cas, en fait, vous regardez la taille de marché qui est ici. On est à 59 milliards de, market, de taille de marché. Et avec XRP, on a 84 milliards. C'est genre euh, énorme. Donc en fait, vous ne pourrez pas euh, aller chercher un x10 facilement sur XRP. Euh, c'est totalement un non-sens. C'est-à-dire que limite, limite XRP, il est aussi gros cool que Bitcoin. J'abuse, mais c'est quasiment ça. Donc euh, prenez ça en compte. Regardez toujours pareil les market cap au lieu de regarder les prix. Pourquoi j'ai plus le prix là d'ailleurs ouais, euh, C'est une, ouais. une erreur que beaucoup de débutants font au début. Hein. Ouais, à fond. Donc là-dessus, euh, si vous êtes exposé sur XRP, Dogecoin, etc., et que vous attendez des gros multiples, faire beaucoup d'argent, bon bah, on va vous déchauffer direct. Même Solana, aujourd'hui, euh, ça, je pense que ça va continuer vraiment de pousser parce que c'est quand même un bon, une bonne narrative et il profite de toute la partie même coin. Mais euh, vous n'attendez pas non plus à faire des x20 sur Solana aujourd'hui. Non, clairement pas. Même un fois 10 ça sera, à mon sens, impossible. Ouais, ouais ça commence à faire beaucoup. Peut-être après... un x2, un x3, je dis pas. Ouais. Après, un prix est, est quand même toujours… Euh... Irrationnel, donc tous ceux qui demandent euh, oui, alors à combien tu penses que euh, ça va partir euh, au niveau de l'alcool, etc. Et genre, souvent on voulait, genre en mode on trace, mode vous allez voir beaucoup sur YouTube, genre par exemple, je, un... Enfin, je défonce un peu les mythes directs, au moins euh, c'est fait là, s'il y en a qui ont, qui, qui ont ce réflexe là, mais souvent les gens te disent oui, alors regarde, euh, target une, euh, on va à 100 000 dollars. Target 2, target 3, et là, si on va jusqu'à la target 4, on va à 240. Ça n'a aucun sens de prendre un FIBO. Genre, c'est un outil qui est pertinent, mais te dire que je prends un target là, donc je vais y aller, ça n'a absolument aucun sens. Privilégier vraiment les market cap. Déjà, si tu projettes ton BTC par rapport à son prix, tu vas déjà avoir un aperçu par rapport au market cap de l'or qui est environ 10 fois plus gros. Et ça te donne vraiment beaucoup plus de profondeur que juste utiliser un Fibo et te dire tiens, ça va se projeter, ça arrive à ta target, quoi. Bon, moi, je ne vais pas être 100% d'accord avec ce que tu dis parce que je pense que le FIBO et les extensions de FIBO, c'est un très bon repère. Maintenant, il euh, y a beaucoup de, de choses, beaucoup de facteurs en plus ouais. qui ne sont pas contrôlables. Euh, les États-Unis, comme je disais tout à l'heure, ils veulent faire une réserve stratégique en Bitcoin. Quel, quel est effet ça va avoir sur le monde, ce genre de nouvelles Qu'est-ce qui va se passer ensuite Avec ce genre de, de nouvelles, bon, en général, ça sera plus un style du news, mais par la suite, on finira par atteindre de grosses targets. Maintenant, c'est de savoir que, dans quel cycle ça va se passer. Ouais. Donc, on peut avoir une vision comme tu dis avec le enfin, comme tu dis avec justement euh, euh, suivant le market cap, etc. Et avec le Fibo, ça permet aussi de compléter. Donc, je pense que jouer avec les ouais, ouais, c'est ce que... très bien euh, mmh. pour essayer d'avoir au moins une idée. Ouais, après ce que je voulais dire, c'est que ceux qui étaient ils prenaient la coin et genre ils prenaient la coin au pif et tu sais, genre ils tracent un Fibo et dit t'inquiète, genre on, on regarde la target 4, comment ouais. c'est magique si on y va jusqu'en haut. Ouais, mais au bout d'un moment, faut quand même mettre les choses dans son contexte, quoi. Tu vois. Bien sûr, bah, la target 4, elle est atteignable maintenant. Euh, pour qu'elle soit atteignable sur ce cycle. Oui, non mais je compliqué. parle de BTC, mais je parlais sur les altcoins en cas par cas, tu vois. Ah, si, ouais. Je n'en euh, sais rien, mais euh, euh, XRP, et que je fais... Euh, regarde, c'est un exemple typique, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui le font, hein, tu vois. Genre, alors regarde, euh, XRP, euh, je prends le fibo sur XRP, et genre, je te jure que ça, c'est un truc qui, qui se voit sur YouTube. Ouais. Genre je fais ça. Putain, mince. Attendez. Ça, et imagine, imagine sur XRP si on monte à la target 4, <laughs> imagine on, on monte à 14 dollars, on fait x10. Ouais, même, la, même la target 1 elle est euh, presque impossible. Ben voilà, tu vois, genre, euh, et en fait là vous, vous négligez complètement le market cap, exactement ce qu'on vous a dit juste avant. Donc en fait, c'est pour ça que je reprends juste ce truc là où ouais, c'est un ouais, peu ouais. un non-sens quoi. Mais ben, tu as raison sur ce, sur ce cas là, et surtout parce que nous on a du recul. Par exemple, moi je vais utiliser le Fibo parce que j'ai aussi du recul sur le marché et je comprends euh, pratiquement toutes les cryptos. Donc je sais qu'un XRP, ben, euh, venir taper le, le, le retracement, l'extension le, du fibo à quatre points, je sais pas quoi, ben, ça me paraît assez compliqué. Quoi. Mmh. Alors qu'un XRP, c'est moins compliqué. Ouais. Déjà là, on va, on va arriver sur des résistances, euh, les amis, si je, bon, bah, du coup on a parti sur cet exemple-là, mais sur XRP, on arrive sur des résistances là avec des zones de, de mèches. Euh, personnellement, je m'amuserais pas forcément. Je, si j'étais dessus et que je parierais dessus, bon euh, why not chercher les targets un peu plus hautes mais euh, déjà on arrive sur des zones où on arrive vraiment sur des zones de résistance qui sont quand même euh, assez importantes là on a des clôtures aussi ici etc donc euh, personnellement je ne m'amuserais pas forcément euh, à chercher, chercher des énormes bénéfices sur XRP plus haut que ça quoi ouais. si je devais faire l'avocat du diable pour XRP la seule bonne nouvelle qu'ils ont eue, c'est qu'au final la SEC ils vont changer ouais. de, 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 de président et que peut-être euh, euh, ça va être un peu plus accepté au niveau bancaire peut-être je ne sais pas je ne connais pas le fondamental à fond de, de XRP mais ça serait vraiment le seul point positif après il euh, n'y a pas tout de philosophie euh, comme ouais. Bitcoin euh, euh, qui est vraiment euh, l'essence même de, de cette euh, industrie quand même ouais. et après du coup si vous êtes vraiment perdu n'hésitez pas à poser des questions ah et ben voilà Feth ouais, c'est un peu toujours les mêmes questions qui, qui reviennent FET, quel est votre avis sais. sur FET? je l'avais noté Feth donc on pourra le regarder après si tu veux ou ouais, on le regarde okay, maintenant euh, j'avais repris les tendances ça l'avait fait il y a des mois et des mois les amis ceux qui ont suivi ceux qui n'ont pas suivi je vous assure que genre depuis les lives, déjà on a fait des dingueries avec Kaneki parce qu'en fait, tous les mouvements de marché vous a donné publiquement. Genre, on a fait des braquages littéralement en termes d'anticipation de marché et tout, c'était une dinguerie. Et euh, sur la cyclicité, depuis le bottom et tout, c'est genre c'est vraiment nimpe. Et, euh, et là, c'est pareil, c'est un truc qu'on avait fait il y, a, il y a déjà pas mal de temps, donc il est pas forcément ultra à jour dans le classement. Mais en fait, pour moi, si vous déjà vous posez la question par rapport aux altcoins, la priorité déjà c'était d'exposer aux bonnes narratives. Une fois que vous êtes sur les bonnes narratives, bah, il vous suffit juste d'aller chercher les bonnes cryptos pour le coup au cas par cas dans ces narratives là. Donc les narratives, en fait, c'est une espèce de récit où le marché bah, va surfer un peu dessus parce que c'est un peu la nouvelle tendance. Un peu comme euh, en 2021, c'était beaucoup euh, les concurrents à Ethereum. Euh, et après, on avait aussi ta partie Metaverse. Et on avait aussi ta partie NFT. D'ailleurs, j'ai une slide par rapport à ça. Sauf que du coup, aujourd'hui, bah, je vais reprendre ma slide, parce que justement, aujourd'hui, ça a changé. C'est Ethereum Killer, etc. On a notamment Terra, Luna qui avait fait beaucoup de bruit les avalanches, les Polkadots, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent des Polkadots, euh, des vieux trucs, en fait, des vieux tokens, euh, des avalanches et compagnie, même si ce sont pas forcément totalement impertinents, en fait, ils sont plus du tout à jour parce qu'en fait, ils sont restés braqués sur leurs précédentes attentes du cycle de 2021. Et vu qu'ils sont tombés un peu amoureux de leur coin, bah, ils essayent de propager un peu ça et de refaire pump un peu leur truc, alors qu'au final, le marché va vraiment privilégier une nouvelle tendance, comme justement les fameux Swana Killer. D'ailleurs, suit, on avait chill de A à Z de... Enfin, un braquage aussi sur Sui, extrêmement tôt, euh, que ce soit sur Telegram, etc. Est-ce que Sui aujourd'hui peut continuer de pump? Bah oui, parce que clairement, on a les tendances. Après, c'est sûr qu'encore une fois, si vous regardez des market cap, on est quand même sur un gros market cap. Donc pour moi, ça peut continuer de pousser, mais euh, clairement, on n'est plus, plus sur un, un petit token. Donc euh, ça va surfer les tendances, etc. Mais pareil, on est quand même sur 10 milliards. Donc euh, vous comparez par rapport au reste des, des gros market cap. Euh, Sui, il y a beaucoup de TVL, mais les costumes restent encore extrêmement récents. En vrai, il n'y a pas encore grand chose dessus. Donc à 10 milliards de market cap, euh, déjà si tu fais un x4 x5, tu euh, t'arrives vraiment à des gros gros market cap, quoi. Donc c'est les tailles de marché. Ouais, mais ça, c'est plausible de fou. X4, hein. x5, 4, c'est pas déconnant. Oui. oui, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, aller chercher un x10, x20, x30, c'est très compliqué, quoi. Très, très compliqué. Ouais, je suis d'accord à 100%. Ouais. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Je finis juste sur ma slide là. Euh, et du coup, là, ils ont mis en exemple, bah, suit Coinbase. Coinbase, pareil, les grosses façons de s'exposer à Coinbase. On a du aéro, on avait Brett aussi que j'avais... J'ai appuyé à mort sur Brett sur un des lives. Euh, et là, d'ailleurs, il a fait plus de fois deux déjà, je crois, depuis. Euh, donc, il a bien poussé. Et Ton, euh, bah, avec le système de Tron, en vrai, c'est Telegram. C'est genre euh, un des réseaux sociaux les plus gros au monde. Et c'est la seule qui a vraiment sa crypto. Donc, c'est un très, très bon argument, je trouve, pour le coup. Euh, Là-dessus, donc, à vraiment pas négliger, le market cap est déjà gros. Donc, pareil, c'est pas ouf à fera des multiples incroyables. Mais en termes de tendance, ça peut vraiment être, euh, vraiment être pas dégueu. Il y a des Say, des, des Aptos aussi qui sont concurrents aussi un peu comme comme Sui donc ils sont un peu moins connus mais pareil les Aptos et ça peut faire des, des beaux rebonds et des beaux retours qui n'ont pas forcément encore été euh, beaucoup monstrueux hein. et Aptos euh, notamment de ce que j'avais lu il y a pas longtemps un Blackrock il s'est pas loin hein. ah ouais, ouais parce que vous voyez par rapport à Sui regardez le graphique c'est que Sui si je regarde l'évolution on a fait un méga pump de espace on a cassé on a fait tu vois, un, un gros W là pour ceux qui ne pas les bases il n'est pas validé mais dans l'idée vous voyez le le process donc on a cassé clairement cette zone de la neckline qu'on appelle. Donc en gros c'est la zone de entre guillemets en milieu. Je vous gaz vraiment à fond là. Et sur euh, Aptos, vous bah, vous voyez en fait cette zone entre guillemets de milieu, <laughs> la neckline, elle est ici en fait. Donc euh, pareil en termes de market cap, il me semble qu'on n'est pas si bas que ça non plus sur, euh, sur Apt. Ouais, on est quasiment à la même taille que suis. Donc euh, graphiquement c'est plus intéressant. Après en termes de taille de marché, on est quasiment au haut que Donc c'est un peu disclaimer. Mais effectivement, d'un point de vue graphique, ça reste aussi pas dégueu sur, sur Aptos. C'est pas si proche que ça, hein, parce que c'est 6,66 milliards. 66. De quoi Je parlais du... du... Il, y a, il y a 3 milliards d'écart entre, 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 entre Sui et Aptos. Ah ouais, mais du coup, ça fait juste... Euh... C'est pas déconnant. Hein. Il n'y a pas un si gros écart. Oui, c'est ça ce que je disais, ouais. c'est qu'il n'y a pas trop d'écart que ça au final. Non, ce que les je veux dire, c'est qu'il y a un écart quand même assez bien en fait. Attends, regarde Sui, il a 10 milliards. Ouais, mais 10 ça fait plus 50%. Ouais, mais après, il sera, ça se rattrape du coup. Et euh, si tu regardes bien, ton W, il se rattrape aussi, non Ouais, après, je mettrais pas forcément Aptos devant, euh, devant Sui en termes de proposition pour le coup. Mais, euh... Non, après, ouais, c'est clair. Euh... Après, c'est un sonora, Solana Killer. Hein. Et ça, il paraît qu'il pousse bien. Hein. Donc, vous voyez, en fait, souvent, les uns sont souvent corrélés avec les autres. Donc, si vous voyez, par exemple, un sui open, pourquoi par la suite bah, Vous pouvez déjà un petit peu aussi des, des moves. Personnellement, je ne suis pas forcément placé sur un token aussi gros, mais. Euh... Mais ouais, ça peut, être, ça peut être assez intéressant pour le coup, dessus ce genre de, de mouvement. Et je reprends aussi vos Il, y a de Il y a pas mal de questions là pour le coup. Et euh, hello tout le monde, un mec qui a il y a un... je vois qu'il y en a que rejoint au, au fur et à mesure. Et, euh, et du coup, ouais, donc pareil, toute la partie métaverse, où tout le monde t'a dit, pareil, sandbox. J'ai combien de temps, j'ai vu des gens, euh... ouais, le sandbox est trop bien, ouais, machin, tu penses quoi de sandbox, tout machin, etc. Et j'en vois encore aujourd'hui qui qu vantaient les mérites du fondamentaux de sandbox. Les amis, vous allez attendre longtemps après, à, à, avant qu'un des projets comme ça, ça, ça remonte aussi. Donc vraiment, c'est très important de se remettre à jour, des nouveaux cycles, etc. Vous voyez, ça repump un peu, mais tu as fait aller. Si vraiment tu as acheté le bottom, euh, tu as fait un fois 3 à tout casser, quoi. Genre, euh, tu prends, euh, et je vais revenir sur la slide du coup aussi, mais tu prends un Tao. Euh, moi, j'ai des collègues euh, qui l'ont connu à moins d'un dollar le Tao. Donc. Euh, Aujourd'hui, x euh, fois 500, x fois 600, euh, ça, fait, ça fait gros quoi, face à des à sound des qui n'ont pas bougé. Donc, ouais, je reviens sur la question sur FET. Euh, FET, c'est un des leaders de narrative. Donc, il y a deux gros leaders. Il y a même trois, si je prends aussi par exemple Render. Du coup, je vois aussi la question dans le, dans le chat. Euh, Tao, c'est un peu un Ethereum de l'IA, pour faire très simple. Genre, c'est vraiment un, tout un écosystème qui se construit autour de l'IA. Et aujourd'hui, Tao, c'est vraiment le plus, plus gros de tout ça. Euh, donc, euh, donc ouais c'est quand même euh, c'est quand même très très pertinent beaucoup se disent ouais mais Tao il est trop etc euh, ça c'est tous les points de rachat que moi j'avais donné pour le coup en public euh, directement que j'avais fait donc vous voyez que pareil et les gens te disent ouais mais t'achètes trop machin etc euh, ouais bah ok bah je suis bien content d'avoir fait des achats à, à 340 à 217 là j'ai pas racheté parce que j'ai racheté que du sol non c'est celui-ci pardon mais, euh, mais derrière j'étais bien content d'avoir racheté à 200$ et et des niveaux comme ça. Et pour le coup, pareil, beaucoup voient euh, euh, Tao trop et tout. Regardez les market cap, franchement, euh, par rapport à l'IA, regardez, allez voir en bourse l'importance de Nvidia en bourse, les proportions de marché. On est à 4 milliards. Franchement, euh, même des Solana Killer qui sont genre euh, le énième copie de la copie de la copie, entre guillemets, on est quand même à déjà à 10 milliards. Non, on n'est que à 4 milliards encore. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup de marge, beaucoup de, de taille de marché. Et on part vraiment aujourd'hui. Du leader de l'intelligence artificielle qui est en train de partir en pleine bulle économique avec le chat GPT, etc. D'un point de vue social et utilisation, c'est une dinguerie. quoi Ouais, mais ces gens-là, au final, ils trouvent 4 milliards, c'est trop haut, mais ils ne se rendent pas compte qu'en bull run les, les, ouais, les valeurs sont, ouais. sont délirantes. Quand tu as un Dogecoin ouais. qui est déjà à 100, à 100 milliards, Solana à 120 milliards actuellement, ben, je suis désolé, mais un, un 40, un 50 milliards pour Tao, c'est vraiment pas déconnant t'inquiète pas, on va y arriver à, à, à fête. <rire> <rire> du coup, ouais, donc là, on, je suis rapidement sur Tao, mais pour vraiment dégrossir parce que ce c'est serait qu'il y a quand même pas mal de sujets à comprendre et, euh, et, et du coup, bah, en fait, le truc, c'est que pour l'Alt Season, donc la période où toutes les crypto-monnaies explosent que Bitcoin, en fait, vous devez vraiment maîtriser tout ça, toutes ces bases, toutes ces mécaniques, être prêt à avoir des stratégies, que ce soit des stratégies d'entrée, stratégie de gestion de portefeuille, de composition de votre portefeuille, savoir comment vous voulez l'équilibrer, savoir comment vous sortir également, une stratégie de sortie, prévoir des, des prises de profit à l'avance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, pareil, se marient un peu avec leur crypto, qui marient avec leur bague et qui ne revendent jamais parce qu'ils tombent amoureux et qui se disent « T'inquiète, ça crypto va faire que monter parce que ça fait que monter. » euh, Et en fait, bah du coup, ils ne revendent jamais et ils se trouvent bloqués avec des, des Avalanches, des Terra Luna, des Sandbox, des Mana, des Galas et tout, etc. Et qui sont bloqués bah, en fait, depuis deux ans. Et, euh, et je ne souhaite vraiment pas euh, que ça vous arrive au marché baissier. À mon sens, on est encore au début du bullrun, donc on a de la marge. Mais le jour où ça arrivera, il faudrait être prêt et ce n'est pas… Euh, Pareil, beaucoup de personnes se disent, euh, ouais, mais moi t'inquiète, euh, le jour où on arrive au top du marché, je vais tout vendre d'un coup et comme ça, je vais être au max. Non, les gars, faites pas ça. Genre, euh, c'est le pire moyen de rester bloqué. Nous, on a l'expérience et on arrive à peu près à l'anticiper. Mais même nous, en fait, on n'est pas trop greedy parce que si on est trop avide, on sait qu'on va se faire piéger par le marché. Donc, faites super gaffe à ça et il est crucial pour le coup d'avoir euh, des stratégies de sortie, des stratégies de prise de profit à l'avance. Sinon, vous êtes morts dans le film en fait avant même de commencer pour le coup. Ouais, rien à rajouter là-dessus. C'est vraiment super important. Mais du coup, je pense qu'on peut pas ça à FET. Ouais. Ça va du coup, ouais, donc pour moi, il y a deux gros leaders principaux aujourd'hui sur l'IA. Il y a du coup les infrastructures, c'est un peu le Ethereum de l'IA. Et on a pris, là aujourd'hui, en secondaire, c'est un peu le, un des leaders parce qu'il fusionne plein de projets. J'ai vu qu'il y a un quatrième projet qui ont, qui ont rejoint. Et apparemment, il y a des demandes aussi pour d'autres projets qui sont en train de vouloir rejoindre aussi FET. Euh, donc, de base, le projet principal de FET, c'est un projet sur tout ce qui est agent autonome. Donc, c'est un peu des, des méga chat GPT, en gros. C'est ChatGPT GPT qui sont automatisés et qui vont servir à plein de choses, pouvoir, j'en sais rien, tu vois, opérer des mini transactions, euh, un peu comme des mini bots de trading ou sur plein de choses, en fait, de la compta, ça peut être plein de choses euh, qui vont être un peu, c'est vraiment un chat GPT un peu automatisé. Euh, c'est un peu, en gros, lié, euh, pour ceux qui ont la ref, genre des smart contracts avec un chat GPT et qui va opérer lui tout seul. Donc ça fait vraiment un méga chat GPT, entre guillemets, euh, euh, on-chain ou pas, hein, pour le coup, mais. Euh, c'est vrai qu'en général, bah, c'est utilisé beaucoup avec la partie blockchain, donc c'est vrai qu'on profite aussi de la tech. Et du coup, en bah, fait, euh, ça reste vraiment un, un projet qui est leader là-dessus. Et c'est pareil, les tailles de marché, on est quasiment similaire à, à Tao, mais ça reste un des leaders. Et en fait, il y a de plus en plus de projets, euh, parce que du coup, ils sont en train de fusionner, avec euh, de base Ocean, qui a un truc sur les données par rapport à l'IA. Et on a aussi Agix, euh, qui est pareil, qui a une espèce d'applicatif avec plein de trucs dedans, etc. Et du coup, ils sont en train de fusionner. Et en fait, il y a de plus en plus de projets qui sont en train de proposer. Euh, de faire leur demande pour aussi rejoindre, euh, du coup, une espèce de fondation, du coup, sur, euh, sur FET, donc qui va devenir ASI et qui est en train de le devenir, donc ASI. Et, euh, et du coup, c'est quand même ultra pertinent. Et d'ailleurs, je disais euh, précédemment, Tao a fait un bon retour, alors qu'en fait, il n'a pas encore fait de gros, gros retours. Donc l'IA, elle n'a pas encore trop, trop pété ces derniers moments. Il y a eu des retours sur la partie RWA, on a eu des retours sur la partie même coin, mais parce qu'il y a eu des déclencheurs aussi comme. Euh, comme, comme euh, Elon Musk qui est passé au pouvoir des, des US aussi, c'est une dinguerie. Mais, euh, mais du coup, il y a des déclencheurs. Alors que sur l'IA, on n'a pas eu de gros gros retour encore. Donc le jour où ça va revenir sur l'IA, bah, je vous conseille fortement encore une fois d'être prêt à l'avance et pas de vous réveiller dernier moment. Et c'est pareil du coup sur l'IA en plus de fait, moi on a effectivement le, un peu le trio euh, euh, de l'enfer. C'est toute la partie euh, puissance de calcul qu'on appelle computing. Ils sont liés justement à la partie d'épines, Mais pour moi, d'épines, on pourrait revenir, c'est du recyclage. Mais, euh, mais du coup, ouais, euh, du côté de Render, donc on a aussi un autre second euh, leader là-dessus qui est un peu le AKT. Donc, c'est un peu un mini Render, mais ils orientés un peu différemment. Mais AKT a pas mal de propositions aussi que, plus pertinentes que, que Render sur des axes un peu différents. Donc, c'est un peu technique. Euh, pour le coup, même moi, si je m'avance dans le détail, etc., je ne mette pas forcément tout de A à Z sur la partie technique. Mais d'un point de vue spéculatif, bah, c'est vraiment deux gros leaders de l'IA pour le coup. Euh, et ouais, c'est un peu le trio entre… Tao, FET et euh, Render aujourd'hui sont en partie IA. Euh, c'est vraiment trois kings. Et là, vous avez aussi Grass qui, euh, qui est affiché. Euh, c'est un truc que j'avais reparlé encore dernièrement. Mais c'est un protocole qui est sur Solana. En plus, il y a la capacité de pouvoir tirer des revenus euh, gratuitement. Donc, c'est à la fois l'écosystème et à la fois la capacité du protocole. Euh, pareil, c'est un peu technique. De toute façon, l'IA, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, il n'y a pas de secret. Euh... L'IA, euh, ça devient vite un peu technique pour le coup, mais c'est comme tout. Même moi, j'avais des galères, etc. Au début sur l'IA, j'arrivais pas trop haut, et même euh, en termes d'appétence pour le sujet et tout, c'était un, euh, un peu freinant, etc. Euh, mais si vous suivez sur Twitter, pareil, prenez l'habitude, si vous creusez vraiment et vous mettez vraiment du temps sur la crypto, encore une fois, que vous avez les bases juste ici, vous avez vraiment à creuser les bases. Et une fois que vous avez les bases, prenez un peu l'automatisme d'aller voir sur, sur Twitter. Il y a plein de mecs qui partagent des trucs de ouf et, euh, et l'IA, bah, il y a plein de mecs qui sont ultra cotés, qui sont des des ingénieurs dans tous les sens spécialisés IA dans plein de trucs, euh, du quantique, du machin tout ce que vous voulez etc euh, qui sont vraiment des, des bêtes de machines euh, là-bas sur le, sur le sujet euh. et donc forcément euh, bah, source US en hein, priorité ça fait vraiment la diff quoi j'ai fait un gros monologue monsieur Kaneki mais n'hésite pas si tu veux euh, non je te laissais euh, terminer avant qu'on puisse parler de FET <laughs> ah, tu voulais complémenter sur FET non mais pour le graphique et tout hein, pour, pour regarder un petit peu le, le ah ouais, bah, bien plein, bien bien. Euh, quoi il je ressemble C'est vrai que j'en étais beaucoup beaucoup de crypto moi pour le coup donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans le, dans le chat parce que c'est vrai que j'ai une page j'ai une page recto verso énorme de que je voulais parler trucs que je voulais parler mais c'est vrai que je vois que les déjà quarante Ouais, après on pourrait en parler pendant vraiment des, des heures et des heures ouais en fait on pourrait vraiment parler c'est ça si, en fait là si aujourd'hui on voulait en faire un live de genre euh, en vrai un live de trois jours euh, limite on pourrait quoi mais c'est juste qu'on risque d'être fatigué après quoi mais euh... c'est sûr même hein <laughs> Après, c'est <laughs> bon, j'ai fait le plein de Red Bull et tout, donc on peut tenir toute la nuit. <laughs> mais ouais, écoute, euh, si tu veux une première target sur FET, moi, j'utilise toujours le FIBO de toute manière. Sur le euh, dernier pic euh, Déjà, tu prends la TH, mais bon, moi, je suis pas hyper... Euh... Ah ouais Je pas comme ça, le FIBO. Par rapport à ça, j'aurais pris plutôt euh, du, du bas. Euh... Après, j'ai réglé le, 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 le retracement pour que ça soit... Euh... Que ce soit pareil. Mais ouais, du coup, moi, c'est le 0.27 qui fait office de première résistance. On l'a vu un peu sur BTC, ça avait très bien euh, fonctionné. Donc, un premier TP vers les 4,2, ça ne pourrait pas être dégueu. Tout dépend après de, de la version au risque de chacun, de où est-ce qu'on se place euh, dans le marché. En fait, c'est ça aussi. La prise de TP, ça va aussi dépendre de où est-ce qu'on en est euh, dans le marché. Est-ce qu'on est au début Est-ce qu'on est à la fin? Par exemple, tu peux prendre des TP sur Dodge actuellement parce qu'il a bien tracé. Alors que euh, ouais. sur un en fait, aujourd'hui, prendre des TP... Peut être que ce n'est pas la bonne chose. Ouais, ouais. Donc, il faut vraiment réussir à, à contextualiser euh, euh, chaque token suivant aussi la performance qu'il a eu. Suivant où est ce qu'on est dans le marché. Mais franchement, euh, euh, un fait qui déjà monte à 4,3. ça serait vraiment quelque chose de très conservateur que je dirais. Hein. Ouais, ouais, bah à fond. Hein. De toute façon, ça, c'est ça. Moi, je suis sûr que ouais franchement, euh, déjà faire des belles grosses poussées sur euh, sur les fêtes et Théo et Tao euh, vraiment au-dessus de la th déjà actuelle, euh, pour moi c'est c'est vraiment pas aberrant du tout. Hein. Après, voilà, si on prend un, un niveau encore plus haut, bah, allez chercher. Mais euh, bah, tu vois, as tout à l'heure on parlait du, euh, du du retrasement de 4,618. Et là, sur fait, il se trouve à 13 dollars. Je sais pas tu l'as 5,2 et après la target principale, euh, ouais, on a 6,2. Mais ouais, ouais, bon. non, En fait, déjà. Ouais, euh... de celui à 4,618, pas celui à 1. Ça, ça sera encore une, une target. D'accord, mais si on prend genre un, un pic top euh, total, mais ben en fait ça ferait faire un, un pratiquement un x 10 fait. en termes de market cap, c'est pas dégueulasse. Ça s'entend, ça, ça fait market... comment j'ai pas tout l'historique là un market cap, ça serait un 30 30, un 30 milliards. Si, si tu as tout l'historique, ah ouais, okay. je te parlais sur le l'extension du Fibo. Si tu vas au 4,618. Ah ouais ouais mais là abusé. Mais pourtant ça c'est un truc atteignable. C'est un fois 10 c'est même moins ce que fois 10 Ouais mais en mais... fait c'est pour moi là on parle vraiment dans l'irrationnel. En fait ce qui vous en fait le truc c'est que si on vise des targets comme ça pour ceux qui suivent là c'est quand en fait, même vraiment on est dans le pur irrationnel et partez du principe que d'autres façons et surtout quand en fait quand on parle du price discovery donc en gros quand on a une découverte de prix donc au-dessus du point plus haut en fait partie du principe que déjà là ça commence vraiment à devenir de plus en plus irrationnel. Et en fait, un prix n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'un prix peut vraiment... Et en fait, c'est totalement décorrélé de toute rationalité à partir du moment où justement bah, ça devient très émotionnel. Et vu que les gens bah, agissent de manière très émotionnelle, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de limite. Ça peut vraiment euh, s'accélérer euh, de manière totalement euh, dégénérée sans vraiment raison. C'est juste qu'en fait, on a réussi à faire de la hype et que le marketing a attiré beaucoup de personnes dans la santé en fait. Donc, euh, partie du principe que de toute façon, à partir du moment où on casse les ATH, un prix peut vraiment accélérer très, très fort. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne sait jamais exactement où il s'arrêter. D'où l'importance d'avoir des prises de profit qui sont réglées à l'avance. Parce que croyez-moi, quand votre prix, je vous dis un exemple, va passer de 3 dollars à 7 dollars en quelques jours, vous aurez tous sauf envie de vendre en fait. Parce que tu vas dire, putain, il va me rendre riche, il va me rendre riche, jamais je vais le vendre en fait. Tu vois ouais, ouais, tout à fait. Après, ça, c'est encore une autre question. Moi, je te parlais en termes de target euh, total. Ben, franchement, euh, 40 milliards un market cap sur fait, ben, ouais, c'est possible. Et s'il faut, ça arrivera. Maintenant, est-ce que ça va arriver, j'en sais rien. Personne ne peut savoir. Personne peut vraiment donner de target ouais. précise. Mais il faut savoir qu'en bull market, en bull run, euh, ben, comme tu dis, on rentre en bulle et les prix, il n'y a rien qui est, euh, qui est vraiment. Euh, comment on dit merde J'ai perdu le mot. Il n'y a rien qui est, qui est, qui est, qui est rationnel. Il voilà. n'y a rien qui est rationnel. Et donc, ça peut très bien monter aussi haut. Mais s'il faut, on n'arrivera on, on arrivera pas, on s'arrêtera à 7 dollars et ça sera terminé. Prendre ça en compte. Ouais. Euh, on a loupé des questions aussi, je crois. Euh, privilégiez une crypto faiblement capitalisée. Euh, attends, je regarde. Et pour Render, bah, pareil. En fait, c'est pareil que pour fête au final euh, au niveau des, des des targets. Ouais. Après, en fait, encore une fois, en fait, enfin fait, en fait, pour moi, il vaut mieux privilégier des bonnes alcools, avoir des bonnes strates et focus altcoin pour savoir que exactement quel target, surtout qu'en fait, ça part vraiment en irrationnel. Donc en vrai, mettez des profits de stratégie de prise de profit de manière progressive, je vous dis une bêtise, euh, je mets vraiment un, un schéma cliché, mais t'en mets une ici, t'en mets une ici, t'en mets une ici, t'en mets une ici, mmh. t'en mets une ici progressivement, euh, tu découpes en 10% à chaque fois. Euh, C'est très cliché ou en 20% et es déjà très, très bien en fait là, le coup. C'est ça. Il n'y a rien de compliqué en fait par rapport à ça. ouais euh, Du coup, il y a des questions sur les market cap, est ce qu'il vaut mieux privilégier des euh, cryptos qui sont entre 4, en ranking entre 80 et 200 avec les bonnes narratives euh, pour faire des bons multiples bah, En vrai, ça dépend de en fait, ton niveau de risque. C'est-à-dire que moi, personnellement, euh, j'évite tout ce qui va être vraiment à partir de genre 20, 30, ça commence vraiment à être très, très petit de, de millions de market cap. Donc là, on est vraiment sur les gros market cap. Tu vois Mais si je prends l'exemple de de DIA qu'on a spam dans tous les sens, etc., qu'on n'a pas arrêté. Moi, je suis pas d'en parler sur, sur Insta. Mais euh, tu vois, là, on est quand même sur un petit market cap qu'un concurrent, par exemple, à Tao, tu vois. Mais c'est vrai qu'en dessous de 20-30, ça commence vraiment à être extrêmement petit. Mais déjà là, tu vois le ranking, on est déjà sur des risques qui sont quand même assez importants. Tu vois. Donc, en fait, ça dépend plutôt de ton niveau et ton appétence au risque. Tu peux à la fois avoir des grosses comme avoir des moyennes et des plus petites. Euh, en fait, l'idée, c'est d'avoir effectivement un bon équilibre, que ce soit, à mon sens, bah, sur tes niveaux de risque, et à la fois sur les narratives en fait. Donc euh, ça peut être pas déconnant. Et plus tu veux de la perte, plus il faudra aussi descendre effectivement dans les tailles de, de marché. Euh, mais c'est aussi plus de risque. Donc c'est à toi de voir en fonction de ton niveau pour le coup sur sur le marché. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison par rapport aux tailles de, de marché euh, sur ces positions. C'est juste que plus ça va être petit, plus tu vas prendre du risque pour le coup. Et le risque est vraiment à corréler par rapport à la taille de marché. Ouais, moi je rajouterais juste aussi ça c'est une question de timing en fait. Par exemple ouais. en début de bull market. Ben, il vaut mieux se positionner sur des large caps ou sur des trucs vraiment euh, solides. Ouais. Et plus on va rentrer dans le, dans, le, dans le bull market, dans le bull run, et plus en fait, ces, ces large caps, auront bien performé, donc elles vont moins performer. Et si tu veux prendre euh, plus de profit, il faudra que tu ailles chercher plus de risques, comme tu disais, avec des captations qui sont beaucoup plus faibles. Mais forcément, tu prends plus de risques, donc tu peux te faire euh, recte aussi. Oui. Euh, je vois qu'il y a des questions sur. Euh... Des coins qui ont déjà bien perf, le truc les coins qui ont déjà bien perf, bah, il y en a déjà eu pas mal, mais comme on disait, bah, par exemple sur Sui, alors je ne sais pas à quelle heure t'es arrivé, euh, mister Iki, je vois que les date un peu aussi, mais euh, par rapport à Sui, AAVE, Ada et mes trois petits points, dire justement, il faut un peu dissocier ce qu'on a évoqué avant. Euh, Est-ce que euh, déjà ton coin, comprendre en fait un peu les narratives, comprendre quand ils sont arrivés, comprendre un peu euh, sur quel hype ils essayent de surfer, parce que euh, tu vois, des coins comme euh, AAVE et ADA, par exemple, bah, c'est des trucs qui sont des vieux tokens pour le coup. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'arrivent pas forcément à se recycler des fois sur certaines narratives. Et c'est l'exemple de Solana. Solana qui a beaucoup bien poussé et fait une des, des best, best performances de 2021. Mais il a réussi à surfer beaucoup sur la partie même coin. Donc forcément, il a repris un peu du, du goût du jour euh, euh, sur ce cycle. Mais euh, par exemple, Ada, bon, on sait que c'est un vieux truc. Il n'y a rien d'intéressant. Pareil, tu vois la taille de marché. On est où On est sur ici. Euh, sur Cardano, on est déjà à 36 milliards. Pareil, si tu comprends ça, en fait, tu comprends que ton multiple sur Cardano, il peut être vite euh, vite limité. Après, il a déjà bien perdu aussi au cycle précédent, alors que fondamentalement, il n'y a rien de très fou. Et là, ils essayent de faire une rotation, beaucoup sur, euh, sur Bitcoin. Donc, euh, si le narratif aussi autour de Bitcoin, de l'écosystème, vous l'avez ici, l'écosystème de Bitcoin, euh, il prend aussi beaucoup, euh, ça peut effectivement être assez intéressant. On l'avait déjà mis très, très haut, vous voyez, précédemment, il y a quelques mois déjà. Effectivement, ça peut être déjà très, très intéressant. Mais moi, j'ai un risk reward. Moi, sur ADA, ça m'intéresse pas du tout. Donc déjà, en fait c'est un peu des, ce qu'on appelle des dino coins, un peu des anciens coins. Bah, c'est sûr que ta pertinence, il y en a déjà beaucoup moins. Et euh, pour ce qui est de suite, bah, c'est un nouveau. Donc là, c'est très intéressant parce que justement, c'est sur la hype d'un peu des, des concurrents de Solana. Et pour ce qui est de AAVE, c'est un peu à mon sens une exception qui peut être pas mal parce que c'est pareil, ils arrivent à resurfer euh, sur des, des nouvelles narratives où en gros, là, on a un peu toute la, la finance décentralisée, donc c'est un peu le cœur des costumes crypto, qui est en train de revenir parce qu'en fait, il y a beaucoup de débats de distribution de revenus euh, des protocoles euh, qui permettent à la fois en termes de régulation de se sortir un peu de la mouise et à la fois, bah, forcément, si on partage des revenus sur les détenteurs du token, par exemple, que ce soit Uni ou, euh, ou Aave, bah, forcément, en fait, c'est un attrait économique qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fort. Et vu que ces tokens bah, qui sont très bien connus du marché et qui sont quand même des places centrales, hein, Uniswap, c'est euh, le principal plateforme d'échange de crypto-monnaies sur l'écosystème de Ethereum et d'autres écosystèmes. Donc, forcément, en fait, c'est vraiment la place centrale d'échange de crypto. Et aujourd'hui, forcément, quand ils annoncent des news comme ça, moi, c'est un peu euh, ce qu'on appelle souvent en marché, euh, achète la rumeur et revends la nouvelle, tu vois. Donc là, ce n'est pas encore concrétisé. Bah, Qu'est-ce qui se passe étonnamment avec le prix On emprunte tout le moon. tu vois. Donc, c'est pareil, effectivement, ça dépend du, de la target que tu vises, parce que c'est toujours pareil, euh, on est quand même sur des grosses tailles de marché. Mais en fait, l'avantage, c'est que si tu mises sur ça, bah, tu prends peu de risques en fait, parce que tu vois, on est déjà à 8 milliards. Mais en soi, si tu penses que cette narrative-là est Uniswap, bah, en fait, c'est un bon projet qui part une bonne traction, euh, ça peut vraiment pousser fort. Et tu vois, aller chercher un nouveau point plus haut sur, euh, sur Unis ce n'est pas complètement aberrant. Et donc là, bah, c'est un peu tard euh, à court terme. Mais, euh, mais même si tu l'as acheté un peu plus, tu vois, à 10 dollars, par exemple, on mettra 13 dollars, bah, déjà, sur un quasiment ATH, ça fait déjà plus d'un fois 3, donc ça peut être pas négligeable non plus aussi. Donc, ouais, Uni, ça pousse bien, par exemple. C'est un peu des, des narratifs comme ça, des anciens tokens qui reviennent. Et AAVE, c'est un peu le même mood. D'ailleurs, ils sont corrélés aussi avec la, tout ce la partie de tokenisation, les RWA avec BlackRock, Ondo, etc. Ils surfent aussi un petit peu là dessus. Mais AAVE, c'est pareil, j'ai fait un poste parce qu'en fait, on est en grosse, grosse phase d'accumulation depuis euh, depuis très longtemps. Et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, je ne sais plus, on était vers 80 dollars. Je crois qu'on a fait le poste au moins vers les 100 dollars. Et euh, du coup, ouais, c'est un peu la force tranquille pour moi, AAVE. Euh, donc, il décolle bien. Clairement, pour moi, c'est pas fini. Ce n'est pas forcément que vous allez faire carrément un x20 x30, exceptionnel, mais c'est un très très bon protocole. C'est vraiment, un, à mon sens, un des meilleurs protocoles de tout l'écosystème, parce qu'en termes d'utilisation, en fait, euh, c'est vraiment des kings de chez King. Quoi. Vous voyez, là, on est sur... Donc, défilama, est un peu le c'est un peu le Google, mais de la finance décentralisée, donc, dans l'écosystème de la crypto. Je vulgarise beaucoup, mais euh, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de... De nouveau, donc n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Et s'il y a qui ont des questions en plus techniques à hein, lui pousser, n'hésitez pas aussi, on pourrait y répondre avec plaisir. Euh, mais vous voyez que par exemple, Aave, c'est un des plus gros protocoles parce que ce qu'on appelle la TVL, donc c'est la valeur bloquée sur les protocoles. Donc en gros, c'est plus utilisé plus le chiffre est gros, plus c'est utilisé. Comprenez ça aussi simple que ça. Et, euh, et vous voyez que c'est le deuxième plus gros protocole, donc projet crypto, qui est le plus utilisé dans les capitaux qui sont déposés sur les protocoles. Donc c'est monstrueux, genre c'est vraiment monstrueux pour le coup. Et il est top 2 là-dessus sur cette métrique. Alors qu'on le voit que bah, si je prends AAVE, on est environ, je vais dire 50. Donc dans le ranking, on est 50. Vous voyez qu'il y a quand même un gros avantage sur ces métriques-là euh, au niveau de AAVE. Et pour ceux qui ne connaissent pas le projet, c'est un peu comme une banque, mais version crypto tout simplement, qui font plein de trucs et tout. c'est super intéressant. Donc ça dépend vraiment en fait, des, des cas. En fait, fait il n'y a pas forcément de… La question de « est-ce que j'ai acheté la bonne crypto ?» par exemple, c'est un truc qui revient souvent chez les débutants. Bah, c'est plus en fait pourquoi et comment tu l'achètes Plutôt que est-ce que j'ai acheté la bonne crypto Parce qu'en fait, si tu as une bonne strat et que tu le gères bien et que tu sais ce que tu fais, bah, tu pourras faire des très très bonnes perfs. Alors qu'une personne, même s'il achète tu vois, un DI, un truc qui fait un x100 ou autre, etc., bah en fait, si tu le gères mal, tu pourras faire beaucoup moins bien que la personne qui a bien géré un AAVE ou un Uniswap ou tu vois. Ouais, après, du coup, pour répondre aussi à la question, ça va dépendre aussi de, de tes risques que tu as envie de prendre. Hein. Une crypto qui est déjà partie, en général, c'est chiant de courir après le train, quoi. Mm. Rien ne dit que le jour où tu vas te dire "ok, ça est, bon, j'y vais", mais voilà, c'était la mauvaise euh, mauvais moment. Ça retraite. Ouais. Il y a une question sur Flux. Est-ce que Flux est intégré à l'IA? Euh, bah, du coup, oui, parce qu'en fait, ils servent beaucoup sur toute la partie euh, puissance de calcul. Donc en fait, c'est un peu un concurrent entre guillemets, euh, euh, je mets des gros guillemets, mais à, à Render et à KT. Euh, au niveau de flux, et après, c'est pareil. Du coup, tu vois, au niveau de flux, euh, par exemple, euh, on est sur un market cap qui est quand même. Euh, tu vois, on est ranking 276. Donc, pareil, on est sur un market cap qui est à 276 millions. Donc, tu vois, par rapport aux 10 milliards qu'on évoquait tout à l'heure, bon, bah, forcément, ils n'ont pas forcément ambition à monter aussi vite, rapidement, au mode 10 milliards, bien qu'en vrai, sur ce cycle-là, ça va être faisable. D'ailleurs, il y a de bonnes relances sur, sur flux. Et les graphiques, en fait, les gars, là, les graphiques, euh, je ne vais pas vous mentir, il y, y a beaucoup de, de graphiques qui sont très, très, très intéressants sur. Euh, sur vraiment pour le coup beaucoup 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 d'alcoins pour le coup donc euh, c'est particulièrement euh, intéressant sur beaucoup d'alt Ouais, plus que je l'avais euh, sélectionné aussi pour qu'on en parle. Ouais, ouais, puis il y, y a un gros potentiel en fait parce qu'effectivement on est quand même euh, lié à l'IA pour le coup donc euh, ne serait-ce que déjà euh, revenir facilement chercher dans un premier temps les 1.4 c'est largement faisable euh, chercher déjà casser ce, ce point plus haut en local là euh, c'est à mon sens largement faisable quoi. Ouais, tout à fait, easy easy. Euh, alors, il y a une question sur l'IA, sur la narrative de l'IA en général. Ouais, pour répondre rapidement la question, c'est oui. <laughs> eh oui, c'est possible que l'IA, ça ne performe pas autant qu'au début. Maintenant, en général, ben, les narratives ont tendance à, à ah ouais. continuer à pousser. Euh... On peut peut-être récap la question, ouais, si jamais. En fait, en gros, la question, c'est est-ce que l'IA, ça ne risque pas de perdre en force et en tendance euh, par rapport au reste du marché C'est toujours un risque à prendre. Euh, c'est à prendre en compte. Le truc, c'est que moi, je me fais zéro souci en vrai pour l'IA. Donc, après, c'est une question de conviction personnelle. Euh, parce qu'en fait, je vois beaucoup de tendances, beaucoup de projets. C'est pareil. Alors, vous ne voyez pas forcément si vous êtes hors du marché, vous ne faites pas assez de recherche. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de projets, énormément de projets euh, sur l'IA qui sont en train de sortir, qui sont en train de se développer, etc. Ouais. Donc, ça n'empêche pas que ça peut perdre de la force. Euh, mais souvent, en fait, euh, les rotations, elles se font par, euh, par secteur aussi. Et là, en fait, comprenez en compte que tant que la dominance sur Bitcoin, qu'on a vu tout à l'heure, elle n'a pas bougé. En fait, vous ne pouvez pas vraiment avoir une réelle profondeur de ce qui va péter ou pas euh, sur la partie des altcoins. Euh, ok, les mêmes coins, ils risquent aussi de continuer à prendre parce que ça, a un, peu, ça a un peu validé. Les RWA aussi continuent de prendre aussi parce que bah, ça relance bien aussi. Mais pour moi, je me fais zéro souci sur l'IA. Et au contraire, en fait, ce qui a en général bien performé en début de cycle continue de surperformer aussi pendant la quasiment l'intégralité du cycle. Donc là, les deux principales leaders euh, de, de narrative qu'on avait sur, euh, sur le début de ce cycle, c'était les mêmes coins et c'était l'IA. Donc, moi, je me fais zéro souci sur le fait que l'IA, même si ça perd de sa force, il y aura toujours une grosse traction dessus sur, sur le réseau cycle, à mon sens. Après, on dit que là, ça perd de sa force, l'IA, mais moi, je ne suis pas d'accord. Il y a un sous-domaine de l'IA qui sont les agents autonomes, qui est en ouais. pleine bourre actuellement. On voit des avancées incroyables avec des agents autonomes. Donc, du coup, une IA qui va, par exemple, tweeter toute seule sur Twitter. Si tu, si tu vas sur Twitter, tu peux marquer AIXBT. Euh, c'est un agent autonome qui tweet H24, tu lui poses une question le gars, enfin le gars, l'agent autonome te répond euh, dans, dans la minute qui suit euh, je sais pas si je peux partager des trucs euh, c'est et d'ailleurs j'ai vu que Virtual on avait parlé, c'est un projet en fait euh, justement qui sert à créer ces agents autonomes là, directement sur Twitter et autres et, euh, et du coup ils avaient fait le buzz notamment ils sont également sur Coinbase, donc il n'y a pas non plus trop de hasard mais euh, ils sont en mode to the moon et, euh, et ils ont refait un fois trois fois, ouais, un fois trois fois deux et demi depuis qu'on a reparlé déjà, vous voyez. Donc euh, c'est en mode tout les monde. Moi j'ai capté assez tôt, mais je m'étais pas mis dessus comme un, comme un zouave. Mais, euh, mais du coup, ouais, là c'est un peu un indicateur aussi qui est corrélé. Du coup, la partie agent autonome, et on voit que là ils ont la dalle, ils ont la dalle quasiment un fois deux en 24 heures. Donc euh, on, on voit qu'effectivement il y a du mou sur la partie IA. Donc progressivement, ne vous inquiétez pas, ça, ça revient aussi sur la partie IA. Hein. Ouais. Et vraiment, moi, je vous invite à aller euh, sur Twitter, euh, taper AIXBT, et ouais. vous allez trouver euh, cet agent autonome avec une tête de, de PP1 violet. Et franchement, c'est abusé ce qui se passe euh, là-dessus. Et c'est vraiment en train d'exploser de, de, par rapport à ça. Et comme tu dis, les rotations elles vont se refaire une fois que ça aura arrêté de, de pump ouais. sur les agents autonomes. Bah, L'IA, en général, risque de, de retrouver aussi de la liquidité. Oui. On fait quoi une question. On fait quoi de nos bagues infra et oracle ben, ça, c'est à toi de voir. Pourquoi est-ce que tu as acheté déjà de base Ouais. ouais, ouais. <laughs> c'est surtout ça. La... En fait, c'est ce que je te disais. Est-ce est que j'ai acheté les bonnes cryptos ou pas En fait, c'est surtout pourquoi et comment tu l'as acheté, en fait, plutôt. Euh... Après, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, euh, si on rentre en bull run, il ben, y a tout qui va pump en vrai. Tout hein. qui va pump. Donc, tu vas faire des profits là-dessus. Mais non, est-ce que. ça est... enfin, dans la globalité. Hein, euh... Quand on dit tout, c'est dans la globalité. Hein. Si vous achetez un shitcoin et un même coin machin et que vous êtes sûr qu'il va pump, non, de... non, clairement pas. Mais. Euh... Il y a plein de cheat-coins qui vont pas de toute manière. Après, voilà. Oui, oui, et mais... euh, et Chainlink, ce n'est pas, pas des cheat-coins. Ouais, Donc, oui, ça. en vrai, il euh, y a moyen que ça continue à peu. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que, ben, en termes d'exposition de, au risque, ça te suffit Est-ce que tu veux prendre plus de risques pour faire potentiellement plus de gains, et du coup, avoir, euh, avoir la, le risque de perdre un petit peu C'est à toi de voir. Chainlink, c'est euh, un bet assez safe. Ouais, c'est euh... un des plus gros. Hein. Tu vois, on est 18, on est sur un market cap de, de 11 milliards. Tu vois, on est de l'ordre de, de, de suite à l'heure par exemple. Donc c'est quand même, euh, c'est un truc assez safe. Quoi. Tu vois, en plus, ils ont déjà fait un cycle et tout. Euh, c'est un truc qui est très, très utilisé dans l'écosystème. Euh, c'est pas n'importe quoi. Hein, en plus, puis, même s'il a fait un vrai. signe, même s'il a fait un cycle, c'est pas un ADA qui a, ouais. Ou ADA, y a rien derrière. Chainlink, ouais. c'est euh, l'oracle le plus utilisé de l'écosystème. Il travaille avec beaucoup d'institutions financières ils sont en train un petit peu de créer le, le SWIFT, donc SWIFT c'est le, mo le, le mode de paiement international entre les pays euh, sur la blockchain donc il y, y a un gros truc derrière ouais. de, de market cap, c'était quoi son ATH il est monté à 25 milliards à 20, 22 milliards en ATH donc déjà s'il revient rien qu'à son ATH il pourrait faire un x 2 il n'a pas eu beaucoup d'impression monétaire ouais, bon, ça va c'est raisonnable euh, Est-ce qu'il y a une question Est-ce qu'envisager un x10 sur Flux, par exemple, est, euh, est complètement aberrant euh, C'est beaucoup. En fait, je pas. Franchement, attends pas. Genre, pas. Euh, je te dis direct. En fait, tu ne dois pas attendre de te dire chercher un x10 sur Flux pour sortir. En fait. Genre, euh, vraiment, c'est déjà beaucoup. Euh, pareil, euh, exemple de Target. Mais, euh, bon, pour moi, ce n'est clairement pas aberrant. Maintenant, comme tu dis, il ne faut pas attendre un x10 pour vendre. Oui, c'est ça. C'est faisable, hein, parce qu'on est quand même à 267 millions. C'est faisable, après ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand même. Ouais, après, dis-toi, un hein, enfin, bull run, 2 milliards, c'est que dalle. Ouais. 2 milliards, c'est que dalle. Quand tu vois les capitalisations qu'il y avait lors du dernier bull, alors que là, logiquement, on a un marché qui est en expansion, donc la capitalisation totale du marché va être encore supérieure. Donc, c'est possible qu'un 2 milliards, ça, ça soit atteignable, entre guillemets, facilement. Maintenant, bon, mais comme on le répète, on n'a pas de boule de cristal. et euh, Il ne faut pas attendre de faire 1 x 10 pour vendre souvent. Hein. Oui. Euh... Ah, j'ai pas mal de trucs, du coup j'ai tiré un peu mes trucs là parce que j'ai pas mal de, de trucs. Ah, tu veux ouais, on mettra le, sur, le, sur le replay, pas de souci pour, pour ceux aussi. Euh, non, pas c'était Uni, pardon. Euh, uni, j'en ai parlé. Euh, ouais, du coup, des petits concurrents là, je pars direct dessus comme ça on, on avance aussi. On va essayer de pas forcément tenir trop tard non plus. Mais des concurrents notamment, pour moi, c'est une des grosses niches hein, euh, là pour le coup sur la partie euh, agent autonome et la partie infrastructure sur l'IA, donc un peu les entre guillemets de, de l'intelligence artific artificielle. Euh, c'est des grosses niches. On, en reteste, là, on reteste une résistance qui va être euh, très intéressante sur, euh, sur le petit DI. Euh, donc, vous avez les. Ah, vous n'avez pas les tickers là C'est DEAI là, si jamais il y en a qui se posent la question. Je ne l'ai pas là, affiché euh, directement chez Zero One Labs. Mais bref, euh, vous l'avez en haut à gauche, il y en a qui veulent savoir les cryptos sur lesquels on est à chaque fois. Et, euh, et ouais, pareil, c'est un très très bon candidat là de, de la concurrence à ATAO. Donc, j'ai fait carrément aussi des postes. Euh, sur Insta et tout, donc n'hésitez pas à check si besoin. Mais c'est un des très très bons candidats. Et niveau graphique, bah, on relance fort. C'est très très fort à acheter sur DI. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on en parle. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs candidats aujourd'hui aujourd par rapport à, à, à TAO. On a aussi des AGC. Je sais pas si j'aurais essayé l'avoir complètement correctement, mais si, mais c'est un carnage un peu au niveau du graphique. Donc pareil, AGC, c'est un très bon candidat aussi par rapport euh, à TAO aussi. Je pense aussi à. Hum, Life il fait pas grand chose AGC, mais on a en phase d'accumulation, ça construit en, en étage. C'est quand même pas dégueu. Je pense aussi à Cubic qui a fait un très très bon retour. Donc AGC et euh, DI, a quand même, vraiment sur Keto, -X, qui sont beaucoup plus petit. Je vous donne un exemple euh, avec Cubic. Vous voyez, là, on est quand même sur 330 millions. Donc, on a à l'équivalent de taille de marché de flux. Alors que si je vais sur un DI, par exemple, on est euh, cinq fois inférieur à peu près, de tête comme ça. Vous voyez un peu les tailles de marché, c'est vraiment à, à prendre en compte et que vous ayez ça dans votre tête. Quand vous choisissez une crypto, hein, c'est vraiment très, très important. C'est vraiment la base des bases. Encore une fois, si vous avez besoin, euh, directement, vous avez le QR code. Vous pouvez le scanner directement en haut. Euh, c'est toutes les bases. C'est gratuit. Vous avez cinq modules directement sur toutes les bases de l'écosystème. Euh, donc, Cubic, ouais, très beau retour. On a un gros, gros W dans plus de l'espace là pour le coup qui est en train de se, se former. Du coup, vous le voyez ici. Donc, ça fait une espèce de W. Et ça, pour ceux qui n'ont pas les bases, euh, du coup, c'est une grosse figure d'analyse technique qui est, qui est très, très intéressante. Et pareil, c'est une infrastructure sur l'IA. Donc, c'est un peu… Une, un Ethereum de, de l entre mais aussi euh, par rapport à, à ça. Et donc, il y a eu pas mal de hype, pas mal de visibilité sur Cubic, sur mais euh, il s'était fait déchirer jusqu'à présent. Donc à voir comment ça évolue, mais euh, intéressant à suivre. Ouais, même niveau fondamentalement parlant, euh, je vois qu'il est beaucoup critiqué. Mais non, perso, pas j'ai pas dur plus que ça le, le projet, donc euh, je laisse le bénéfice du doute. Je... Au moins, vous avez l'info. Encore une fois, là, le but, c'est vos recherches. Pareil, c'est a qui débarque, qui voit ça sur le live, euh, ou la rediff ou quoi. Euh, ne partez pas dans l'optique de vous dire, aujourd'hui, je suis en bull run, je vais faire de la crypto long terme pour plusieurs années, et je vais acheter des crypto sur le long terme sur plusieurs années. Si vous faites ça, bah, vous achetez du BTC, de l'Ethereum, à la limite du Solana, mais tout le reste, c'est poubelle. Genre euh, du long terme, long terme. Euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que systématiquement, vous allez avoir euh, un cycle, puis un autre, puis un autre, etc. Donc, en fait, si vous changez, entre guillemets, vous rachetez les crypto-monnaies qui sont ici et tu te dis, ouais, c'est pas grave, tôt ou tard, elle va refaire un nouveau plus haut. Sauf que bah, ça se trouve, aujourd'hui, tu achètes un sandbox et ça se trouve, ton sandbox, il va que revenir jusqu'ici parce qu'en fait, c'est plus à la hype, tu vois. Et à la place des sandbox, on a l'IA et machin, etc. Donc, en fait, c'est pas parce que tu achètes une crypto-monnaie qui est au top aujourd'hui et qui est super bien, etc., que long terme, ça va forcément être un bon investissement. C'est pour ça qu'en général, bah, si tu veux faire du long terme, bah, tu achètes déjà en début de cycle. On est plus forcément en début de cycle. On arrive en phase de bull run. On a encore des beaux mois, à mon sens, devant nous. Mais, euh, mais ouais, attention à ça. Aujourd'hui, plus vous allez avancer dans le cycle, plus avancer dans le bull run, plus il faudra accepter aussi de, de sortir parce que quand ces marchés baissent et que BTC va commencer à se retourner, comme on a eu par exemple, oh, ou comme on a eu par exemple là, en fin 2021, ici à gauche. Bah en fait, là, c'est toutes vos coins, faut En fait, dans l'idée, faut tout vendre. Genre, il n'y a pas de BTC ou rien en fait que tu gardes. Donc, euh, ça à prendre en compte quoi. Et d'ailleurs, oui, on parlait de la correction. Enfin, euh, ça continue de pousser là. Euh... Ouais, ça continue de pousser. Pour moi, il y a des chances que la correction là, elle soit finie. C'est ce qu'on disait avec, euh, avec M. Kaneki avant. Euh, pour moi, il y a plus de chances qu'on aille chercher des, des nouveaux points plus haut encore que qu'autre chose. Hein. Ouais, c'était même pas une correction au final. Ouais retracement. Il y a 0x0 aussi, du coup, je disais rapidement, j'essaye d'aller vite, qui fait un beau pattern. Donc, pareil, c'est un token qui était très très hype. Moi, je ne suis pas ultra fan, mais graphiquement, en fait, on a beaucoup de jolis patterns. Donc, c'est un truc qui est très hype, qui était très chill. Donc, à voir ça revient. Après, encore une fois, faites vos recherches aussi dessus. Mais ça peut être pas dégueu d'avoir un retour. on a tagué, c'est tagué aussi un petit W, là, pour le coup, ici. Donc, x0 qui n'est pas dégueu. Euh, sur la partie un peu des concurrents aussi euh, à Render et compagnie, euh, on a eu une news euh, aussi là sur le sujet. On a une personne en interne, notamment, je ne sais pas s'il si va être sur le live là ce soir, mais euh, M. JC en interne qui est spécialisé sur la partie euh, tout ce qui est computing, donc tout ce qui est concurrent à, à Render, à KT, etc. Et il y a une grosse news par rapport à ça. Il y a des rumeurs aussi, que ce soit. Enfin, il y a Binance qui lance des rumeurs aussi par rapport à certains coins, etc. Il y a différentes euh, rumeurs d'intégration aussi avec. Euh, avec NMT, donc euh, il fait un rebond là parce qu'on n'a pas le graphique complet. Je ne sais pas si va là, je vais le en, en entier, mais c'est vraiment un des très très bons candidats qui est chill à fond sur la partie sociale. NMT, c'est une dinguerie. À quel point il est vraiment vraiment sollicité dans tous les sens. Euh... Et voilà pour le coup, NMT niveau social, euh, c'est une grosse grosse dinguerie. Donc attention, il vient de pump à, à court terme là. Il a fait quand même une belle bougie. Hein. Il est passé, euh... ouais, il a fait plus de 80%. Euh là sur la, sur la journée, même sur quelques heures qui ont suivi. Je ne sais pas si j'ai le token en entier au euh, niveau de historique. Ah ouais, si. On a le plus haut qu'à 16$. dollars. Pareil, hein, les points plus hauts historiques ne sont pas forcément des gages de retour. Hein. Des fois, les personnes, ou même sur YouTube, vous disent, ouais, t'inquiète, regarde la TH, il y a un x50 à faire à la TH. Donc, au point plus haut, ce pas parce que c'est un point plus haut à x50 qui va forcément y aller. Hein. Prenez ça en compte. Mais là, pour le coup, à mon sens, c'est largement faisable aussi sur... Euh, sur NMT, le, le retour pour le coup euh, à la TH, pour le coup c'est quand même un, un très très bon protocole sur une niche qui est quand même très très pertinente quoi. Euh, Ça j'en ai parlé, bah, dans la même niche encore beaucoup plus petit, donc là attention, euh, mais c'est un truc qu'on va être chill, il y a déjà pas mal de temps, je vous le partage là, donc attention à ceux qui sont débutants de pas acheter n'importe quoi. Oui là je vous le disais 20-30 millions on commence vraiment à être petit, euh, là on a 37 millions de market cap, donc pareil c'est un concurrent pour le coup à, à Render et compagnie. Euh, donc, il a fait une, un beau retour aussi. Oui, c'est pour ça que là, en fait, quand je vous dis que, genre, l'IA, on dit, ouais, ça dort, machin, etc., vous voyez qu'il y a quand même des crypto-monnaies qui sont liées à l'IA qui... qui repoussent bien, là, quand même, dans l'instant T. Hein. Vous achetez sur quatre plateformes en général J'ai fait un tuto sur Insta pour euh, cette question-là, mais privilégié dans l'idéal euh, Binance, euh, les grosses plateformes, Coinbase, Kraken, mais en général, les petits tokens, donc les petites cryptos, sont pas disponibles là-dessus, donc c'est pour ça qu'il faut que tu ailles ici dans Market et que tu regardes tout simplement où c'est dispo. Faire très très simple, n'hésitez pas à checker sur Insta le tuto si besoin. Et encore une fois, si tu as besoin des bases parce que tu es à l'ouest sur le marché, je t'invite fortement à aller checker le QR code que tu as juste au-dessus directement ou à me demander en DM aussi sur Insta si besoin par rapport à ça. Et que tu as d'autres, j'en ai plein, plein, plein de Zalcoins encore là, mais certains à chill, monsieur Kaneki. Oui, il y en a plein, il y en a vraiment plein. C'est abusé. Après, euh, sure. moi je partirai un peu s'il y en a qui veulent un peu jouer sur les mêmes coins. Euh, je repartirai sur du retardio. tu le taper. Ouais. Après, ouais, moi, disclaimer, je ne suis pas trop, trop même coin. Surtout pour ceux qui débutent et qui n'ont pas forcément de niveau. Parce que pour moi, c'est beaucoup, beaucoup de trading. Donc, faites super gaffe. Personnellement, je mets un, un gros disclaimer euh, sur la partie même coin. Mais on peut la regarder. Je ne sais pas si les graphes en entier là. Si, ouais, c'est bon, c'est ça, je pense. Okay. Ouais, ouais. Ben, en fait, l'avantage des même coins c'est surtout qu'en général, la tokenomics est totalement diluée. Donc, il euh, n'y a pas de, de chance de se faire euh, dump à la gueule par DVC, par exemple. Et ça, moi, je trouve que c'est un très bon point positif. Maintenant, ce qu'il faut analyser surtout, c'est la communauté. Et euh, moi, j'aime bien Rotardio, c'est un truc un peu, euh, un peu border. Je vous invite à aller regarder. <laughs> un peu anti-walk, un peu vraiment euh, euh, des, des vraies valeurs. Quoi. <laughs> Donc, euh, vraiment, ça, c'est un, un très bon projet. Personnellement, euh, j'en je, ai un petit peu. Bien sûr, il faut avoir euh, son euh, risk management qui est au point. C'est très sur des tendances, donc euh, il ne faut pas non, non plus s'attacher au token. Mais franchement, très intéressant. Euh, sinon, dans le domaine de l'IA et du même coin, tu as AI16Z aussi. Je ne sais pas si tu as mais déjà regardé. Euh, qui a très, très bien retracé. Par contre, tu m'as on... dit, pardon AI16Z. a ah, 16 z il... avec AI. 16 ouais. Il sur son narratif de ACZ ou quoi Alors en fait, ça, c'est un agent autonome qui gère une DAO d'investissement. Ok. Pour faire simple. Non, pas une DAO. Un, c'est un VC en, en agent autonome. Je dis quoi. Ok. Et donc, du coup, ça a été lancé euh, sur, euh, sur euh, PumpFund, je crois. C'est euh, <laughs> un CMM quand à la base. Donc, du coup, 220 millions de market cap. Il a très bien retracé. Euh, franchement. Euh, Très solide le truc donc à regarder et après je partagerai un dernier qui s'appelle attends je le retrouve il est là vv aïfou vv aïfou aïfou alors ça euh, si vous connaissez euh, Pump fun c'est le Pump fun pour lancer son agent autonome Donc clairement on est sur la niche. Euh, ah c'est un concurrent du coup Fun, c'est ça C'est un concurrent, mais pas vraiment, parce que du coup, sur euh, ce, cette, euh, cette plateforme, tu peux lancer un agent autonome. Pas que des mêmes coins, okay. vraiment un agent autonome qui... Ah, c'est un peu comme, comme virtuel, du coup. Un peu comme virtuel, ouais. OK. Mais euh, du coup, un, un peu plus petit. Et il euh, y a des très, très bonnes euh, euh, features qui sont mises en place. Par exemple, tu peux avoir ton, ton agent autonome qui va tweeter à euh, H24, tu peux avoir un agent autonome qui est connecté à TikTok. Etc. Il y a beaucoup d'utilités euh, à mettre en place. Ouais. Surtout, euh, ben, du coup, pareil, le tokenomics, le tout qui est dilué. Et surtout, il y a du burn pour, avoir, pour pouvoir euh, avoir accès aux features. Donc, par exemple, si tu veux que ton agent autonome il puisse aller sur, sur TikTok de manière automatique, eh bien, il faut burn 25 000 tokens de cette crypto-monnaie. Donc, c'est plutôt intéressant. Je vous laisse regarder. Et voilà, c'est tout pour le côté même coin pour aujourd'hui c'est des en termes de ça. C'est des vrais changements de paradigme. Hein. J'imagine que si vous pourrez voir forcément tout de A à Z, la suite de live, mais ça en termes d'innovation, genre on a vraiment des chats GPT qui sont vraiment en train de bosser sur nous et les gens sont en train de spéculer sur les différents agents qui sont lancés. Genre C'est une dinguerie, genre c'est n'importe quoi. C'est incroyable. <laughs> J'ai pas d'autres mots d'ailleurs. J'ai même pas eu le temps de bien le regarder. Qu'il commence déjà à partir 83 il pomme bien, hein. putain, mais bah, ouais. J'en parlais avec un pote là il y a quand hier. hier, il était à... Il était à combien de market cap là, Hier, il était ouais, dans les 60 millions. Il a pratiquement fait x2 depuis. Donc voilà, à regarder, attention, parce que du coup, euh, la, la narrative est un peu hype en ce moment. Donc, ouais. C'est pareil par rapport à ça. Ce genre de narrative, on l'a vu sur le précédent token et tout, c'est des trucs qui mine de rien. Euh vite monter, peuvent vite aussi redescendre. Donc faites gaffe parce que quand tout le monde bah tout va bien et quand ça redescend bah vous pouvez vite vous faire piéger facilement. Donc euh, donc ça à prendre en compte quoi. Tout à fait. Ça à prendre en compte. J'ai encore pas mal de trucs. Je pense que je vais juste surtout les évoquer. Euh, je vais pas tout chill. Par exemple sur NIR. NIR c'est un gros token. J'ai vu io aussi, point net, je vais en parler. Mais euh, NIR par exemple, pareil, c'est un peu un ancien projet euh, qui était concurrent du coup de de Ethereum à l'époque. Sauf que là, ils sont en train de faire une grosse rotation sur la partie IA. Et c'est une des grosses blockchains. Et l'avantage, c'est que c'est pareil. sur NIR, c'est une façon aussi de s'exposer à l'IA. Et, euh, et vous le voyez, on est là en tant de taille de marché, oui, on est 8 milliards, donc quasiment comme suit. Et, euh, et donc, niveau risque, bah, c'est quand même extrêmement faible. Et c'est une façon aussi de pouvoir spéculer aussi sur l'IA. Donc, euh, pareil, le graphique ne doit pas être. Elle est très beau. Dégradé. Je l'avais mis de côté ouais. aussi. La fois que je l'avais pris. Mais euh, c'est pour ça qu'il y a vraiment différents sensations, différentes méthodologies, etc. Là, on relance bien. On a un signal aussi avec les trois bougies vertes, là, pour le coup, qui est bien connu de la NES Technique. Donc, euh, ouais, non, NIR, il, il est propre aussi. Euh, on a, pareil, un petit point, déjà un premier, premier target d'ATH qui a, qui a un x3 à peu près. Donc, c'est pareil, on peut partir aussi plus haut. Donc, ce n'est pas un mauvais candidat pour le coup sur, sur NIR. Euh, on avait ANKR aussi qui peut un peu bien. Alors, ANKR, moi, ce que j'aime moins, c'est que c'est très technique, mais j'ai vu que ça pumpait bien. Donc, en vrai, euh, why not pour le coup Mais euh, ouais, ça pousse quand même bien sur ANKR. Personnellement, je n'ai pas forcément spéculé en priorité sur lui. Mais euh, déjà, on a un x5 aussi à la TH. Ça peut ne pas être dégueu pour le coup euh, par rapport à celui-ci. Après, dans l'IA, il y a quand même beaucoup de projets aussi qui un euh, qui peu bien. Donc, euh, donc, why not Et euh, du coup, en parlant d'IA, effectivement, il y a IO. Il y a le petit IO qui est un token assez récent, mais qui est assez hype, et qui était assez... Ils ont fait un bad buzz de fou au lancement. Ils ont fait un méga bad buzz, euh, mais ils ont des grosses ressources et tout, et là, je vois que ça pousse bien aussi. Euh, donc, à vraiment pas négliger aussi, ouais, c'est un très très bon candidat à potentiellement à aller challenger aussi les, les AKT et les RNDR. Et, euh, et là, la différence, c'est que si je regarde RNDR, euh, si je tape correctement, c'est mieux. RN, je suis quoi. TR. Je ne l'ai pas. RNDR. RNDR. Pas. J'ai écrit render sinon. Ah ouais. Ah bah non. Bah, pourquoi il y a un E Ok, autant pour moi, je vois. Bref. Non, c'est RNDR. Mais bref, euh, on a 4 milliards. C'est juste ça que je voulais comparer. Vous voyez, quand on parle de market cap, l'idée c'est de faire un peu des comparaisons pour ce qui est comparable. Donc évidemment que RNDR pourra aussi remonter au fur et à mesure où les liquidités vont aussi partir en mode alt-season, etc. Mais déjà, si je compare un RNDR avec un IO, euh, là, j'ai un 4 milliards VS. Vous voyez, il y a déjà un, un bon x10 à aller chercher si on arrive ne serait-ce qu'à essayer de rattraper euh, RNDR, sachant que RNDR peut aussi prendre en, en taille de marché supplémentaire par la suite. Donc, c'est quelque chose qui, est déjà, aller chercher un x10 sur IO, c'est largement faisable. Et vous voyez, on est à quelque chose près, à peu près sur les market cap de flux qu'on a vu déjà tout à l'heure. Donc, là, vous voyez, par exemple, déjà, un x10 en vrai sur IO, c'est euh, largement faisable. Sur Flux, est-ce que je chercher un x10 directement comme ça Je ne suis pas forcément ultra convaincu, mais, euh, mais IO, à mon sens, a peut-être plus de potentiel que Flux à le chercher directement. Quoi. Attention Après, à, au, à la FDV quand même, hein, parce que je ne sais pas comment ils, ils impriment. Il euh, y a pas mal de vesting avant un bon moment. Hein. Oui, ça c'est pareil, la partie économique, c'est des bases. Pareil, vous l'avez dans la formation gratuite. Hein, c'est la partie économique de savoir comment euh, avoir ces bases d'analyse-là, etc. Et après, là, on va quand même assez vite pour ceux qui ont quand même pas mal de bases, etc. Mais n'hésitez pas à check la formation gratuite. Encore une fois, je le rappelle, euh, je ne sais combien de fois. Mais euh, là, on a une dilution qui commence à partir de mai 2025, globalement, euh, qui commence à s'accélérer. Et en vrai, ça reste assez, euh, assez soft avant. Donc, ça nous laisse quand même un peu de place pour euh, laisser passer la hype euh, des... De la alt -season, si elle doit arriver vraiment là dans les prochains mois. Quoi. Mais c'est vrai que ça va prendre en compte aussi de la... Faites super gaffe à la partie économique. C'est comme par exemple euh, Ondo, qui ont une grosse libération là. Euh, ils pump jusqu'à présent, jusqu'à nouvel ordre mais, euh, mais faites super gaffe aussi, effectivement, à ce genre de, de parties économiques qui peuvent être, effectivement, des, des contre-coûts. Parce que là, on, on passe de 14% à 33%. C'est plus de fois 2 du jour au lendemain. Donc, faites super gaffe, effectivement, aux parties économiques. Quoi. Mais du coup, ouais, pour Yo, on a un peu de place jusqu'à à peu près mai-juin. C'est rapide quand même. Ça va arriver vite. Ouais, ça va arriver vite. Mais chez vous, quand même, hein, parce que souvent, les gens sont aussi piégés. Il euh, y a la game aussi. On n'en parle pas trop là pour le coup, et ça fait ça s'est bien tu entre guillemets. Et ça a fait beaucoup moins de bruit. Mais la game file, pour moi, c'est une narrative qui va reprendre de plus en plus au fur et à mesure où les particuliers vont revenir. Donc, plus les particuliers vont revenir, plus ça sera à dire qu'on se rapproche des sentiments et des hauts de marché. Donc, plus on va être hype, plus la GameFi aura des chances aussi de revenir en termes de multiples, donc c'est quand même à, à pas négliger. J'ai passé rapidement les trois leaders, au moins vous êtes courant et après, si vous voulez creuser un peu plus, je vais pouvoir vous en donner aussi. Mais euh, on a Bim qui est vraiment un des très gros challengers et qui a une grosse, grosse communauté sur euh, sur euh, sur la partie GameFi. Euh, donc, il y a une DAO, il y a plein de trucs derrière, etc. C'est super intéressant. Le graphique, là, ils sont quasiment similaires sur euh, la partie GameFi. Tous les trois là euh, que je vais vous montrer mais ils sont quand même euh, très, très pertinents. Et, euh, et pareil, il y a des trucs sympas à aller chercher. Il y a déjà un x2, du coup, à, à la TH Le king sur la partie gaming aujourd'hui... Pourquoi oh, je tape USD J'ai l'habitude de faire view. En même temps, aujourd'hui, mais qui est déjà beaucoup plus gros, c'est euh, IMX. Après, il y a eu un peu de FUD, etc., dernièrement, euh, donc un peu de, de battage médiatique négatif sur, euh, sur IMX, mais c'est vraiment une des places euh, centrales pour la partie gaming. On est à 3 milliards, alors que BIM, on est dit qu'on était à... 1 ,3 milliard 3, donc on n'est même pas à la moitié pour le coup. Et on a aussi Ron, qui est un peu dans le même délire, mais un peu plus petit, qui a surfé en beaucoup, beaucoup sur euh, Axie Infinity, qui était AXS. Donc c'est un, un des gros gros succès de 2021. Et en gros, c'est leur blockchain. Euh, donc c'est pareil à ne pas négliger. Et après, ils avaient plein de petites blockchains. Euh, je postais les UOS. Il euh, j'en connais plein. J'ai des listes entières de, de blockchains aussi euh, GameFi sur les jeux vidéo. Mais euh, attention aux jeux vidéo en eux-mêmes, genre les Illuvium, etc. C'est très bien, mais il y a moyen que ça prenne plus de hype par la suite et pas directement parce que les jeux vidéo blockchain, il y a beaucoup de turnover sur même dans les, en fait vous regardez l'industrie du jeu vidéo, il y a beaucoup de turnover par nature. C'est un peu la comment dire le secteur d'activité qui fait qu'il y a beaucoup de rotation très rapidement. Les jeux c'est beaucoup des modes et certains arrivent à rester très longtemps comme des Fortnite par exemple euh, ou des Mario Kart, etc. Mais en réalité, si vous regardez, c'est vraiment le euh, syndrome de euh, de, du survivant. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait des gros succès, mais la plupart, en fait, ils sont brassés très vite. Ils durent trois, six mois, un an, et en fait, après, ils sont totalement oubliés. Et il y a moyen que ce soit vraiment pareil sur les, sur les jeux crypto Donc, privilégier, à mon sens, tout ce qui va être aussi euh, un studio. Je pourrais citer par exemple Naka, qui a par coup euh, un taille de marché qui est beaucoup plus petit, de 80 millions, et qui nous fait des, des beaux. Là, le graphique, quand même, pas dégueu non plus, mais on a des compressions. Mais gros social aussi sur, sur Naka, ou encore, euh, par exemple, beaucoup plus petit. Là, on est vraiment sur une beaucoup plus risqué. Vous voyez, on parlait de market cap tout à l'heure à, à 20-30 millions. Là, on est sur 16 millions. Et pareil, euh, beau retour. On est sur un studio de jeux vidéo aussi. Donc si vous croyez à la niche du jeu vidéo crypto, euh, pour le coup, bah, Créo, c'est des trucs qui sont assez risqués. Mais ce n'est clairement pas forcément des, des mauvais choix. Et ça pousse bien. Il y a des belles reprises au niveau du prix aussi, au niveau du graphique. Donc c'est à prendre en compte. J'ai fait un petit tour d'horizon sur la partie euh, GameFi, donc jeux vidéo. Ouais, moi je rajouterais juste euh, Satoria. Un MMORPG sur Bitcoin qui euh, ah, pour l'instant il est en, en mise à jour mais qui va ressortir bientôt, un battle royale et euh, pas mal de choses intéressantes donc je euh, vous invite à, à vous renseigner. T'as donné le nom ou pas Ouais ouais Satoria. Ah ok Satoria ouais. Ouais Satoria euh, en plus c'est sur un narratif de Bitcoin et tout. Donc c'est soutenu. En parlant de narratif de Bitcoin, euh, les kings là-dessus c'est euh, STX pour le coup. C'est vraiment les plus gros tokens pour le coup là-dessus. Donc, euh, très, très bonne narrative aussi. Et le graphique revient très. très... En fait, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de graphiques qui sont quand même assez similaires. Si vous voyez un peu les, les conflits qu'on a depuis tout à l'heure, ça se ressemble quand même en grande partie. Si vous ne comprenez pas tout au graphique, ce n'est pas très grave. Euh, allez voir directement en bio, une formation gratuite. Mais ouais, très intéressant aussi sur STX. Et j'ai vu que Merle aussi tentait des, des bons retours. Et pareil, Merle, pour moi, ça reste quand même aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, un, un des meilleurs propositions de valeur sur, euh, sur la partie. Euh, Écosystème de Bitcoin. Et on a d'ailleurs, euh, j'en profite au niveau de Starknet, pour ceux qui connaissent, qui est en belle phase de range. Et euh, ils sont en train de prévoir une rotation avec la prochaine mise à jour de, de Bitcoin. Euh, je sais pas ce que j'ai marqué. Une rotation sur, euh, sur Bitcoin pour être un vrai layer 2, donc une vraie seconde couche de Bitcoin. Ce qui, en vrai, le reste des layers 2 sur Bitcoin, ça n'en est pas vraiment des vraies couches. Euh, donc, on a eu une belle phase de range là qui était assez insane. Hein. Vous le voyez, pour le coup, c'est euh, assez dingue à quel point ça a range. Et donc, là, si le marché décide vraiment d'anticiper un peu cette évolution là et que le narratif Bitcoin apprend vraiment, ça peut partir beaucoup très, très, très fort sur, euh, sur Starknet. Si jamais. Et vous voyez, avec de marché, on est un peu plus gros. mais. Hein. Tu en penses quoi pour le narratif Le narratif de euh, Tia bah, c'est un narratif modulaire, c'est un peu technique, euh, ça peut revenir. Après, c'est déjà des beaux market cap. Euh, faut, après, moi, je considère qu'il faut aussi choisir un peu ses combats. Il euh, y avait une narrative, de base, elle a fait beaucoup de succès avec la partie narrative airdrop. Personnellement, j'ai décidé d'arrêter les airdrops depuis euh, fin 2023, mi-2023. Euh, donc, personnellement, je ne touche plus au token d'airdrop. Euh, donc, ça m'est personnel. Mais euh, ouais, pour cette raison, dirais sur d'autres tokens. Mais euh, why not? C'est sûr que c'est une bonne tech et tout. Mais euh, personnellement, je toucherai pas trop. quoi Ouais, moi perso, je pense que s'il y a une narrative à drop qui se relance, il pourrait bien euh, bien performer. D'ailleurs, il performe bien en ce moment. Donc, euh, à voir. Franchement, elle est jolie, hein, weekly, euh, jolie il est joli en weekly. Très joli ce qu'il fait. Hein. Y a rien ouais. à dire. Ouais, il y a un bon retour après. Euh, ouais. Moi, je sais que personnellement, j'ai. Mais ouais, ça peut être pas dégueu. Il a bien absorbé aussi la, 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 la supply la dilution, qui est sortie. Ouais. La dilution. J'en ouais. profite aussi un petit token que j'avais déjà évoqué. Je sais plus, j'ai déjà parlé en public. Mais euh, on a l'écosystème de Sui qui est quand même un bel écosystème. Si j'en avais parlé, sur des réels en plus. Euh, mais qui nous fait un beau retour. Donc là, c'est ah, un peu le Uniswap. De, euh, donc c'est un peu le. le, le le radium ou le Jupiter de, de Solana, par exemple, mais version Sui sur l'écosystème de Sui. Et, euh, et du coup, c'est la plateforme d'échange principale qui nous fait une bonne grosse bougie des familles là pour le coup sur euh, le petit Cetus. Donc, si vous pensez que Sui, c'est une bonne façon effectivement de spéculer et que vous y croyez aussi, aussi sur Sui, ça peut être pas dégueu de se repoussiner ici sur, de se aussi sur, euh, sur Cetus, parce qu'il peut être carrément corrélé pour le coup à la perte de, de Sui. Donc, euh, par rapport à la narrative, tout ça, euh, ça peut être euh, ça peut être aussi sympathique. Et pareil, on est sur un Marque Cap quand même pas si gros que ça, parce qu'on est sur 220 millions. Dans le même genre, sur euh, du côté de Coinbase, je fais un peu le tour, hein, comme ça c'est fait. On a Aero. Donc pareil, graphique qui est très très intéressant. On a une belle compression. On a vraiment une belle compression, on pourrait limite y voir un triangle rectangle. Donc c'est une figure qui est haussière de base. Il est un peu, euh, il est un peu biscornu, mais. Euh... En tout cas, on a une très, très belle compression sur Aero et ça sert sur la narrative de, de Coinbase, donc très, très intéressant aussi de ce côté là. Je cite deux, trois tokens. J'ai vu qu'il y avait ENA qui pumpait fort aussi, mais donc là, c'est une narrative un peu particulière est et ça prendra beaucoup. Pour moi, il y a quand même un fort potentiel parce que niveau revenu sur ENA, c'est une grosse, grosse dinguerie aussi euh, du côté de, de M. enna Est-ce euh, que je les graphiques rapidement Vous le voyez au moins euh, rapidement. Mais ouais, ça a peu un peu fort sur euh, sur Mister Ena, et c'est pareil. On a quand même une belle marge euh, mine de rien, euh, sachant qu'il est capitalisé. Mais en vrai, euh, en fait, c'est quand même un gros token ça pour le coup. Euh, je vais peut-être vous mettre là à 2 milliards. Donc euh, ouais, attention aussi à la Libération. Je n'ai pas le détail de quand c'est. Avril, donc ça, ça se rapproche vraiment pour le coup, mine de rien. Mais on a un peu de marge encore, mais à vous de voir, effectivement. Euh, J'ai quelques petits trucs encore. J'ai vu qu'il y avait MPL qui était très sympa. J'ai vu qu'il y avait le Rio aussi. Donc là, on est un peu sur la partie tokenisation, etc. Et MPL qui était très, très beau. On a le Rio aussi qui fait un beau retour. Donc tout ce qui est immobilier, là, pour le coup, sur la partie euh, la tokenisation pour Rio. D'où la partie immobilier, je l'ai partagé sur Insta dans un réel. PRCL. Euh, c'est un tout petit token. Après, il a quand même bien grossi. 73 millions. Et, euh, et le graphique est très sympathique. D'ailleurs, il est en train de repartir encore <laughs> une énième fois. Ouais, il est en train de repartir très, très sympathique pour le coup, le, le PRCL. Et en fait, là, c'est En gros, c'est une espèce de contrat sur l'immobilier qui permet de spéculer sur l'immobilier euh, sans forcément acheter d'immobilier. Donc, la niche, la niche est assez innovante. C'est sur la partie immobilier qui a bien marché sur la partie RWA. Donc euh, vraiment pas négliger pour le coup le petit, euh, le petit PRCL pour le coup. C'est sûr qu'on est vraiment sur un petit market cap là. On a PAI aussi qui pump, PAI. Euh, on a Props aussi, PROPS sur la partie RWA toujours. PAI, on était sur le computing je crois, sur l'IA, je ne sais plus, un des deux. Il y avait Anyone aussi qui fait des bons retours. Il y a beaucoup de crypto, hein, c'est euh, impressionnant euh, par rapport à ça. Mais, mais voilà, le but c'est quand même vous y retrouver. Faites aussi vos propres recherches. Euh, si vous avez besoin, vous avez la formation gratuite directement le QR code juste au dessus. Et je vais vous remettre pareil en bio, c'est qui question sur la ou quoi. Euh, J'en profite aussi là pour faire un petit coup euh, d'annonce par rapport à nous au coaching, etc. Moi j'ai pas mal de demandes là pour le coup par rapport euh, aux arrivées sur Insta, du mainstream, etc. Il euh, y a moyen potentiellement que les prix aussi de nos accompagnements, parce que du coup on fait aussi de l'accompagnement personnalisé en interne, du coup euh, remonte après le Black Friday. Donc euh, ce n'est pas une garantie, mais en vrai il y a moyen qu'on euh, évolue aussi parce qu'on est constamment aussi en, en amélioration aussi et, et euh, pour apporter encore plus de résultats en interne. Donc il y a moyen que les tarifs de la partie accompagnement aussi augmentent euh, post-Black Friday pour augmenter la qualité des services aussi. Donc si vous voulez pouvoir en profiter, n'hésitez pas à passer aussi en DM. Et de toute façon, vous avez aussi s'il faut. Euh, euh, des, des liens par la suite à la fin de la formation gratuite qui sont aussi euh, mis à disposition si besoin. Mais euh, vous avez là aussi l'info, comme ça vous n'êtes pas euh, surpris par rapport à ça euh, si jamais on monte aussi les prix derrière. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, monsieur Kaneki Non, pour moi tout est, tout est carré. On a vu beaucoup de tokens. ouais on a donc, vu beaucoup, euh, beaucoup de choses là pour le coup. Il hein. y a déjà beaucoup de choses à faire. Maintenant, il faut, faut profiter du moment aussi. Et... Et qui fait ce bull run. Ouais, à fond. À fond. Pensez à vous former, que hein, ce soit en gratuit, en payant. Franchement, euh, quand je vois beaucoup de personnes qui débarquent et qui ne prennent pas le temps et qui achètent des tokens à l'arrache, en fait, c'est toujours pareil. C'est que les gens euh, veulent aller trop vite parce que c'est la hype. Méfiez-vous vraiment du process. Euh, pour moi, c'est assez évident. Déjà, si vous êtes tout seul sur le marché, cherchez à vous entourer. Genre, franchement, et je pense que M. Kaneki équipe, pourra que vous le soulever aussi. Euh, cherchez vraiment à vous entourer si vous êtes tout seul. Et que vous regardez juste du YouTube, du machin, les rediffs, les conseils d'Insta, de, de YouTube, même que Twitter, etc. Franchement, si vous n'avez pas le recul et plusieurs cycles derrière vous, euh, vous pouvez vite vous faire baloter. Donc, vraiment, chercher à vous entourer, c'est extrêmement crucial, ne serait-ce que par rapport à ça. Ouais, faut travailler, faut travailler. faut travailler pour avoir un bon niveau. Et encore, euh, des fois, c'est compliqué. <laughs> même pour nous, ça va vite. Hein. Même pour nous, pour bien sûr, qu'il y a des fois où ça va vraiment, vraiment vite. Donc, euh, ouais, au charbon. Et pareil, nous, ce qu'on conseille, c'est franchement, si vous avez minimum allez, 10 000 euros de capital, je vous conseille vraiment de vanter vos solutions payantes qui sont bonnes. Euh, parce que pour moi, la rentabilité, quand vous êtes tout seul, veste quand vous êtes vraiment accompagné avec un minimum de 10K, derrière euh, la transformation, il n'y a, a vraiment rien à voir. Donc, euh, n'hésitez pas, effectivement, à, à passer en DM directement pour ça. Euh, ce sera avec plaisir qu'on pourra en parler et on verra, effectivement, si c'est pertinent pour vous pas. Hein. Donc là, on est déjà sur la partie RWA. Je regardais rapidement ce qui a été aussi posé la question là sur euh, Rexa. On est sur une taille de marché. j'ai même pas la taille de marché, donc j'imagine qu'il est assez récent et assez petit. Il euh, faudrait que j'aille voir sur. Je pas le contrat non plus. Ouais, il manque beaucoup beaucoup de détails pour le coup, là, euh, Parce qu'on n'a même pas le contrat rien. Donc il faudrait que je regarde sur le Deck Screener. Mais je ne l'ai pas sous la main. Donc il faudrait que je l'occupe à droite à gauche. Mais déjà, le site, il me plaît pas trop. <laughs> Ouais. J'avoue que moi je suis pas non plus hyper hype. En fait déjà quand je vois prévente stage 8, euh, en fait déjà quand tu mets un site et que tu mets pris ton token avec un machin mon token direct. Ouais, c'est red flag. En ouais, plus euh, flag, y a rien hein. qui fonctionne, USD collecté je dollar, jeton vendu 0, 0. pris l'étape suivante 0 c'est chelou. Bah après ils n'ont pas encore peut-être est-ce euh... qu'il y a une date? Non, mais déjà quand tu vois card en plus dessus, bon... Euh... Moi, perso, je vois ça, je quitte direct. Je charge... ah ouais, ouais, moi, ça. Ça sent pas forcément très bon. Hein. Méfiez-vous aussi vraiment des market cap. Hein. C'est quand même vraiment une figure de d'autorité. Moi, j'ai personne qui le suit, les gars. Ah, ouais, dans le social, il est claqué en plus. Non, ouais enfin moi je me ferais ouais vraiment genre euh... <laughs> j'ai évité de montrer ça plus longtemps mais du coup ouais, focus plus vous sur des, des PRCL plutôt que racheter des trucs comme ça RWA un peu shady là un peu un peu border un son je sais pas ce que c'est j'ai pas regardé encore pour te répondre sur le côté macro euh, moi pour l'instant il y a zéro risque pour aller plus vite pour, ah ouais. pour aller rapidement j'ai pas le temps de, de m'élaborer dessus par contre je sortirai une vidéo euh, semaine, prochaine, semaine prochaine où je ferai un point là dessus donc euh, n'hésite pas à aller euh, sur la chaîne, la chaîne directement euh, Modern Club et voilà, il y aura une vidéo qui arrivera ouais Mais pour, euh, pour faire simple on est plus dans une période assez bonne avec Trump aussi qui arrive. C'est assez bullish. Il va l'économie. Déjà, l'économie, elle n'est pas si, si mauvaise en soi. Au niveau du travail, ok, ça se contracte un petit peu, mais euh, on est encore loin d'avoir des gros niveaux de, de chômage, etc. Donc, c'est très bien. L'inflation, elle est euh, moi, je trouve qu'elle est très bien contrôlée. On a le, le pétrole qui baisse beaucoup et souvent le pétrole, il est corrélé avec la hausse de l'inflation parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont qui demandent du pétrole pour euh, que ce soit être produit ou alors être livré. Donc en général, euh, avec un pétrole qui baisse, il y a une inflation qui baisse. Donc euh, pour l'instant, euh, moi je trouve que c'est plutôt carré. Il faudra voir euh, au courant de l'année s'il n'y a pas une relance, etc. Mais pour, en tout cas, pour les six prochains mois, personnellement, je suis assez rassuré par la macro. Après, on verra. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Monsieur, euh, monsieur Kaneki. Avec plaisir. Et euh, je vais prendre un, un screen là, de ce qu'il nous dit euh, Mister, je vais après. Faites gaffe aussi, hein, quand les projets arrivent sur les sites, sur les grosses plateformes et tout, en général, euh, c'est souvent signe de, des moments de vente aussi, donc faites gaffe. Donc ouais, euh, négligez pas les bases, prenez le temps. Là, en plus, price, c'est gratuit par rapport à ça. S'il y en a qui ont besoin et qui ont plus de 10 cas de capital, n'hésitez pas à passer un DM, je vous encourage fortement, ça ne vous engage à rien en plus derrière. Donc voilà, profitez. Si, que, si vous venez d'arriver, c'est si là qu'ils voient la fin de la rediff là. Si vous venez d'arriver sur ce cycle, euh, sur le bull run, euh, sur la crypto et que vous dites est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, je vous encourage fortement à vous impliquer au max à la crypto, même si vous n'investissez pas forcément tout d'un coup, etc. Mais à ne pas à négliger parce que souvent, en fait, j'aurais dû peut-être en parler plus tôt, ça pour le coup. Mais souvent, ce que font les gens, c'est qu'en fait, ils disent, et j'en ai vu énormément là, tous ceux qui sont arrivés, ils font tout ça. Et d'un point de vue d'ailleurs social, sentiment, j'en parlais sur les stories Insta. Euh, je vais reprendre le Wall Street Cheat Sheet, je finirai là-dessus du coup. De toute façon, c'est dans l'information gratuite aussi, donc je vais vous renvoyer là-dessus. Mais, euh, mais ouais, pour moi, on est vraiment. voilà euh, bon, il y en a un skin, c'est pas grave. Mais on, on est vraiment sur la phase d'optimisme, euh, de transition. Et en fait, les gens sont encore indécis, ils ne savent pas trop. Euh, et je le vois, que ce soit même quand j'étais un en week-end investisseur à Bordeaux dernièrement, euh, les gens sont encore un peu dans ce mood-là, ils ne savent pas trop, ils sont curieux, ils savent que ça c'est les futurs, ils voient que ça prenne et tout, etc. Mais la hype, elle n'est pas méga trop là. Là, tous les débutants que j'ai vus, les nouveaux arrivants et tout, euh, ils se réveillent. Euh, ou alors ils savent pas trop, ils mettent 100 balles et tout, euh, ils sortent 2 trois économies et tout, ça, ça parle assez chinois. Et en fait, souvent ce qui se passe, c'est soit ça corrige, et les gens se disent Ah ouais, je sais pas trop, et en fait ils commencent à douter, et quand ça repart, ça repart rapidement, et à dire Ah putain mince, j'ai loupé le train, est-ce que je dois en racheter, et puis je suis là, et puis je doute, etc. etc. En fait, du coup, bah, en fait, le marché il fait que monter, soit ou alors tu arrives ici, tu mets un peu d'argent, parce que souvent tu es dans le doute, tu sais pas trop, c'est parti vite quand même. Donc est-ce que le marché, j'attendrai pas une correction, un peu comme on a ici, on a un peu ici au final. Est-ce que j'attendrai pas une correction euh, pour rentrer parce que là il y a plein de personnes qui parlent d'une correction euh, moi j'attends on m'a dit euh, t'achètes quand c'est rouge et tu vends quand c'est vert euh, on voit ouais, euh, un peu plus profond que ça et en fait souvent ce qui se passe c'est que le marché fait des bénéfices du coup les gens ils ont fait de l'argent du coup ils se disent ah ouais je vais mettre un peu plus d'argent du coup les marchés ils les confirment ils continuent de monter parce qu'il les fait croire que c'est des génies du coup ils se prennent pour des génies ils se disent ah je vais devenir riche vite faut que je mette encore plus et là bah, forcément tout le le marché corrige et vu que même ici au bon moment bah, en fait vu qu'ils sont impliqué trop légèrement et qu'en fait ils ont négligé euh, leur temps, leur implication dans le marché le plus tôt possible quand ils sont arrivés parce qu'ils pensaient que ouais, peut-être ça a une correction, mais je sais pas trop, c'est le bon moment, etc. etc. Et du coup, ben, en fait, ils ont procrastiné, ils ont entendu que ce soit le marché qui leur donne des résultats. Résultats, ben, en fait, ils ont arrivé à se faire piéger parce que c'est là où ils ont pris le plus de, de risques. Tout en haut et beaucoup trop tard parce qu'en fait ils ont fait que amplifier la chose parce que tout simplement, à la base, ils ont négligé de se dire je vais prendre vraiment du temps pour faire les choses correctement et être impliqué le plus tôt possible. Donc, ne négligez pas. On est vraiment, à mon sens, sur la période où, oui, effectivement, on est plus haut que quand vous, vous l'avez dit à 20 000 dollars et on n'a pas arrêté. Tout le marché baissé, on n'a pas arrêté avec M. Kaneki et tout au niveau des mouvements. Euh, donc, si vous avez suivi, bah, félicitations à vous. Euh, si vous allez suivre encore par la suite, félicitations aussi à vous. Mais il est vraiment temps pour vous de vraiment passer à l'action le plus tôt possible et vraiment se bouger les fesses parce que, non, il n'est pas trop tard. Mais si effectivement vous réveillez dans 1, 2, 3, 4 mois, là, effectivement, il sera commencé à être vraiment trop tard. Donc, euh, bougez-vous les fesses. Just do it et non il est pas trop tard. C'est pour ça que je peux que vous renvoyer effectivement vers. Euh, je aller. Vers formez-vous que ce soit avec nous en gratuit en payant faites vous comme vous voulez mais formez-vous le plus tôt possible c'est vraiment crucial. Magnifique magnifique magnifique. Messieurs dames merci à ceux qui étaient sur le live. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions en privé en DM etc. Vous pouvez me retrouver moi sur Instagram crypto alchimiste ou Monsieur Kaneki sur YouTube 0xkaneki non, ça a changé. J'ai rebrandé pour longtemps. Ah, Modern bon. club, tout simple. Modern club, ok. Sur YouTube aussi. Sur YouTube, ouais. partout. Ok, magnifique. Merci à tous. On se retrouve peut-être la semaine prochaine. On vous tient au courant. Mais il y a moyen, du coup, Monsieur Kaneki, tu penses ou quoi Oui, oui, c'est bon. Moi, là, j'ai mon problème de pied qui est en train de se régler, donc. Magnifique. Mais du coup, on a donné beaucoup, beaucoup d'infos. Vous invite fortement à creuser de votre côté et à ne pas faire les choses à moitié parce qu'on est dans un timing qui c'est très, très, très sympa et non. On n'est pas au top de marché, il y a encore de la marge. Même si on peut avoir une grosse correction, c'est possible. Euh, c'est dans tous les cas un timing qui est quand même très très intéressant par rapport au, au boulot actuel. Quoi. Donc just do it. On se dit à la semaine prochaine et merci à tous. Allez, à la semaine prochaine.